Non, il fallait pas. Et pourquoi? Vous n'aimez pas les fleurs? Ah si, si, elles sont magnifiques, mais enfin, c'est de la folie, je vous en prie, posez-les là, mais il y en a pour une fortune. Non, rassurez-vous, elles viennent de chez ma sœur. Votre sœur? Oui, elle est fleuriste, alors elle me fait des prix, vous comprenez? Ça me gêne quand même énormément. Pourquoi? Mais vous m'invitez déjà au théâtre? Mais non. Nous n'allons plus au théâtre? Mais si, mais ça ne me coûte rien, c'est ma sœur. Elle dirige aussi un théâtre? Non. Mais son mari est régisseur général au théâtre où nous allons pour les premières, il a toutes les places qu'il veut. Et ce soir, c'est une première, voilà. Ah, eh bien j'aime mieux ça. Parce que vous savez, je n'ai pas l'habitude de me faire inviter. Non, pour tout vous dire, j'ai même franchement horreur de ça. Et d'ailleurs, comme vous m'invitez au théâtre, j'avais décidé après le spectacle de vous inviter au restaurant. Et c'est ce que je ferai. Et si vous refusez, je ne dîne pas avec vous, c'est bien compris? Ça, c'est très embêtant parce que... Ah non, ne me dites pas que votre sœur a aussi un beau-frère restaurateur. Non, ma sœur n'a rien à voir là-dedans, mais le propriétaire du restaurant où je me fais une voix de vous emmener est mon meilleur ami. Et alors? Eh ben, j'ai jamais pu payer une addition depuis que je vais chez lui. Ça me gêne tellement que j'y vais de moins en moins, mais je l'ai rencontré par hasard cet après-midi. Il m'avait promis de venir ce soir, notre table est réservée, je peux pas lui faire cet affront. Ah non, je vous assure que ça m'est très désagréable. Bon, bah, je laisserai un très gros pourboire, ce que je fais d'ailleurs à chaque fois, et en sortant, bah, vous m'en rendrez la moitié, ça vous va comme ça? Non, tout le pourboire. Ah, je n'insiste pas, va pour tout le pourboire. Ça va, tout va bien cette fois? Ah oui, parce que attendez, je vais m'occuper des fleurs. Non, finissez de vous préparer, moi je m'en occupe. Oh, bah, c'est très gentil, merci. Vous trouverez dans cette chambre un très gros vase chinois qui sera ravi de les accueillir, et pour le remplir, la cuisine, c'est par là. Bien, et je les installerai ici? Non, dans la chambre, on les verra moins. Oui. Je veux dire, on les verra mieux. Prenez tout votre temps. Oh, mais je serais prête depuis longtemps si je n'étais pas dérangée toutes les 5 minutes par le téléphone. Mais enfin, vous savez ce que c'est. Ah non, chez moi, il sonne très peu. Oh, ben, vous avez de la chance. Ici, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que je disais? Vous permettez? Allô, oui? Ah non, écoute, ma chérie, là, je n'ai vraiment pas le temps. Non, je vais au théâtre avec un ami. Mais tu le connais pas. Non, et je ne suis toujours pas maquillée. Mais non, je ne te laisse pas tomber. Mais comme tu vas me raconter ce que tu m'as déjà raconté ce matin... Ah bon, il y a du nouveau, mais alors dis vite. Il t'a rappelé, mais tu vois, je te l'avais dit, tout s'arrange. Ah, il veut plus te revoir. Oui, bon, ben ça, évidemment, ça s'arrange pas vraiment. Hein. Non, écoute, je t'en supplie, arrête de pleurer, calme-toi. Dès que le spectacle est fini, je te rappelle, ça te va? Oh, mais écoute, à quelle heure ça se termine, je sais pas, moi. Attends, Paul! Oui? Vous savez à quelle heure le spectacle se termine? Ah non, c'est la première, alors. Ah ben non, il sait pas, c'est une première, alors. Mais oui, il est là. Il est venu me chercher, je ne suis toujours pas prête, tu comprends? Vous avez le temps, c'est à 21h. Oh là là! Et en plus, il faut être là-bas à 20h. Ah ben oui, c'est une première, alors si on veut être bien placé... Bon, ça va, je peux te laisser? Non! Non, je viens de te dire que tu ne le connaissais pas, mais là, il s'impatiente un petit peu, tu vois. Non, pas du tout, pas mais du tout. Mais si, Paul, une seconde, j'arrive. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Tiens, regarde la télé, il y a un très bon film ce soir sur la 2. Rupture avec... Ah non. Non, ne regarde surtout pas ça. Reste sur la 1, il y a des variétés, ça t'endormira. Hein. Allez, à tout à l'heure, ma puce. Oh là là, ce que c'est dur. Ah, ça, les amis. Non, ben, c'est pas une amie, c'est ma fille. Ah bon? Eh oui. Elle tombe amoureuse à peu près tous les 8 jours. Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai rarement la paix plus d'un trimestre. Et à quel âge? 16 ans. Et elle habite plus avec vous? Ah si, mais là-haut, au 6e. Elle a aménagé la chambre de bonne pour avoir son indépendance. Seulement, avant d'y mettre un lit, elle a fait installer le téléphone. Alors ça, je vous dis pas les notes. Oh non, écoutez Paul, vous voulez bien décrocher, s'il vous plaît? Dites que je suis sous la douche, n'importe quoi, mais qu'on me fiche la paix. Parfait. Allô, oui? Oui, c'est bien ici, mais elle est sous la douche. C'est de la part de qui? Ah, pardon. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. C'est votre mari. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Passez-le moi, merci. Allô, oui, qu'est-ce que tu veux? Ah non, là, je n'ai vraiment pas le temps, tu t'en occupes. Non, je sors, figure-toi. Oui, je sors. J'ai le droit de temps en temps quand même, non? Écoute, je sais pas, moi, vers minuit, ça te va? Non, désolé, mais tu t'en occupes jusqu'à minuit. Moi, je l'ai sur le dos toute la journée, alors tu peux bien la prendre un peu dans tes bras de temps en temps. Salut. Oh, c'était mon mari. Oui, je sais, mais je croyais, enfin, vous m'aviez dit que... Que nous étions divorcés. Mais nous le sommes. Oh non, tout va bien. Ça va même beaucoup mieux depuis. Non, le problème, c'est Sophie. Elle vient de l'appeler et... Et le voilà.
Qui ça? Ah, mais mon mari, ça c'est lui, j'en suis sûre. Il vient tout juste de rapprocher. Mais il n'a que le palier à traverser, il habite en face. Ah bon? Oui, oui. Je vous expliquerai, là. Donc voilà une seconde, j'arrive. J'arrive. Oh! Oh! Oh, bah tout de même! Oh, bah dis donc! Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Ça fait une heure que je sonne. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu sais très bien ce que je veux. Primo, que tu perdes cette épouvantable manie de me raccrocher au nez et de... Oh, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. T'as quand même pu me prévenir que t'étais pas seul, écoute. Bah, tu savais très bien, c'est lui qui t'a répondu. Ah, c'est vous? C'est moi, oui. Ah, bah c'est pour ça que je reconnaissais pas la voix d'André. Oh, ça va, ça va. Ah, bah non, ça va pas. Moi, je croyais que c'était André. Bah, hey, c'est pour ça que je me suis permis de... Sans ça, tu pouvais pas me le dire que c'était pas André. Tu ne m'en as pas laissé le temps. Ah, mais elle me raccroche au nez, c'est moi qui lui laisse pas le temps. Et d'abord, quand perdras-tu cette détestable habitude? Quand tu prendras celle de m'écouter. Ah. Je t'ai dit que je sortais, que j'étais en retard et que je m'occuperais de Sophie à minuit en rentrant. Et jusqu'à minuit, qui va s'occuper d'elle? Ah non, écoute, Michel, d'habitude, c'est moi. Ah. C'est toujours moi, du matin jusqu'au soir. Toi, tu ne t'occupes d'elle que lorsque tout va bien, jamais quand il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Vous avez entendu? Je veux dire que... Vous connaissez Sophie? Et non. Ah bon? Ah, tu lui as même pas parlé de Sophie. Ben bravo. Michel, ça suffit. Ah ben non, ça suffit pas. Tu permets, je me présente, puisque tu n'as même pas la délicatesse de le faire. Michel Aron, enchanté. Voilà, Fargue. Vous êtes dans le béton? Ah, non. Pourquoi? Il n'y a pas un béton qui s'appelle comme ça, la Fargue? C'est possible. Enfin, je ne sais pas. Ah non, c'est le ciment. Et puis, c'est pas la Fargue, c'est la Farge. J'ai entendu parler du ciment Lafarge. Oui, certainement, oui. Mais c'est pas vous. Non, non, moi c'est Lafargue. Ah bon? Oui, c'est la contraction de Lafargevski. Tiens. C'est d'origine russe. Oui. Après la révolution de 1917, mes parents qui ont émigré ici ont francisé le nom. Bah c'est bien comme contraction, hein. Eh oui, c'est plus... Ah, c'est plus contracté, forcément. Mais ça doit vous arriver souvent, non? Quoi? Qu'on vous demande si c'est vous le ciment. Non, c'est la première fois. C'est pas vrai, je suis le premier. Oh. C'est bien la première fois que je suis le premier en quelque chose. Je vous remercie. Bon, ça, Michel mais, quoi? Tu vas rester ici encore combien de temps? Le temps que Sophie descende. Quoi? Je lui ai donné l'ordre de descendre parce qu'il faut que nous lui parlions. Ah non, tu lui parleras parce que moi je sors. Je sors. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Mais moi aussi, je sors. Ça se voit, non? Est-ce que j'ai l'habitude de m'habiller en pingouin? C'est l'anniversaire du Schumacher. En plus, je dois signer le contrat de ma vie avec lui. Alors impossible de pas y aller. Bon, dis donc, l'état où est Sophie? Ah, parce que tu viens de lui dire il n'y a pas 5 minutes. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Ah ben, je sais pas, mais quand elle m'a appelé tout de suite après, elle était effondrée. T'as encore dû lui dire quelque chose qu'il fallait passer, c'est sûr. Mais je lui ai dit que je l'appellerai à la fin du spectacle. Tiens, demande à Paul, il était là. C'est vrai ça? J'étais là, oui. Bah alors c'est le ton, hein, le ton. Le ton que t'as employé pour lui dire ça qui a dû la perturber. Attention, attention, Michel, parce que là je sens que je vais m'énerver. Ah ben tu sais que tu l'es déjà là. Et si tu lui as parlé comme tu viens de le faire, là, ça m'étonne plus du tout. Bon, hein. Moi j'en ai marre, on s'en va. Vous venez, mais Paul? Pas question, mais tu permets une seconde, oui. Paul. Mon petit Paul. Vous permettez que je vous appelle Paul? Bien sûr. Hein? Ça y est, il va l'inviter à danser maintenant. Elle est drôle. C'est pour ça que je l'ai épousée d'ailleurs, parce qu'elle était drôle. Et puis, elle est devenue de moins en moins drôle. Et maintenant, mais plus drôle, mais du tout. Hein. Alors ça me fait drôle. Et toi, tu te crois drôle? Oh non, j'ai pas l'intention de l'être parce que c'est pas le moment. Puis là, toi, au lieu de rester planté là, tu ferais mieux de l'appeler. Ça fait 5 minutes qu'elle devrait être ici. Voilà, toi, ça t'inquiète pas, ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah voyons, c'est tellement plus pratique comme ça. Moi, je le fais pas, alors toi, t'as qu'à le faire. Bah tiens, où il a le téléphone? Là-bas. On avait dit qu'on le laisserait toujours sur son socle. Non, mais je suis chez moi quand même, ici. On le saura que t'es chez toi. Pardon, excusez, moi, oui. Bon, on va peut-être pas danser tout de suite, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, mon cher André. Paul. Paul. Ah, bah comme Schumacher, il s'appelle Paul aussi. Vous le connaissez? Schumacher. Schumacher. Ah oui, le coureur automobile. Ah, oh là, bah. Oh, si vous entendez. Non, l'armateur, je travaille pour lui, c'est moi qui lui décore tous ses bateaux. Alors, je peux pas rater son anniversaire. Voilà, occupé, tu vois, ça sonne occupé. Eh bien voilà, comme ça, tu es rassuré. Pas du tout, elle a peut-être décroché pour ne pas qu'on la joigne. Et si elle ne veut pas qu'on la joigne, c'est qu'elle est en train de faire une bêtise. Allons-y. Mais quoi, t'es pas assez grand pour y aller tout seul? Ah non, non. Ah ben, c'est très important que tu sois avec moi. Comme ça, elle s'apercevra qu'on s'intéresse vraiment à elle. Ah voilà, c'est ça, et moi je laisse Paul ici tout seul. Vous êtes kleptomane? Non, pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'elle a peur que vous lui voliez quelque chose, là. Mais de quoi j'ai l'air, moi, mais de quoi j'ai l'air? Ah, d'une mauvaise mère, hein, voilà de quoi tu as l'air. Bah, venez avec nous, Paul. Quoi?
Bah, parce que tu veux pas le laisser tout seul ici. Et puis, il pourra nous être très utile. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais bien qu'elle est curieuse comme une pie, Sophie. Quand elle entendra une voix qu'elle ne connaît pas, elle sortira. C'est sûr. Paul, vous avez une belle voix? Pardon? Je vous demande si vous avez une belle voix, parce que je n'ai pas encore beaucoup entendu. Jusqu'à maintenant. Et Sophie, elle est très, très sensible aux jolies voix, hein, Nicole. Fous-moi la paix, mais Paul, non, mais je... Mais tu permets une seconde que je lui explique, quand même. Quand elle tombe amoureuse, c'est toujours de quelqu'un qui a une jolie voix. Alors, si vous venez avec nous et que vous lui dites... Sophie, ma petite Sophie, je suis un ami de vos parents, ouvrez, s'il vous plaît. Vous voyez, avec une belle voix, comme ça, elle sortira, c'est sûr. Vous pourriez me faire ça? Ah, écoutez, si ça peut vous rendre service... Ah, tu vois, il est formidable. Vous êtes formidable. Faites-moi un petit essai, s'il vous plaît, pour la voix, pour qu'on entende ce que ça donne. Et qu'est-ce que je dois dire? Sophie, ma petite Sophie. Sophie, ma petite Sophie. Oui. Quoi, c'est pas mal. Mais vous pourriez pas le faire comme moi? Comme vous. Un peu plus viril? Ah, parce que... Non, pas pour là, non. Non, je voulais dire que vocalement, ça me paraît être un peu juste à travers la porte. Écoutez-moi bien. Sophie, ma petite Sophie. Sophie, ma petite Sophie. Voilà, formidable, on y va. Et n'oubliez pas la suite. Je suis un ami de vos parents, ouvrez, s'il vous plaît. Inutile de lui dire que vous n'êtes ami qu'avec la mère, hein, monsieur. Alors là, ça complique la tout. Allez, tu viens? Non, si tu n'as pas le sens du ridicule, moi je l'ai. Tu es grotesque, tout ça c'est grotesque. Oh, je suis vraiment désolée, Paul. Mais il ne faut pas, voyons, je vous assure que ce que me demande votre... Michel, appelez-moi Michel. Et ce qui me demande, enfin votre mimi, je vois votre mari est tout à fait compréhensible. Je trouve normal qu'il s'inquiète. Oh, que ça me fait plaisir. Vous êtes vraiment un type bien, mon petit Paul. Mais quand vous connaîtrez Sophie, vous comprendrez pourquoi je m'inquiète? Oui, il comprendra, surtout qu'elle fait du cinéma, voilà ce qu'elle comprendra. Ah bon? Alors quand elle dit « je ne veux plus jamais entendre parler de vous, vous ne me reverrez plus jamais, je vais disparaître », c'est du cinéma ça? Mais bien sûr! C'est fou. Quoi? Elle t'a dit ça? Oh, je te l'ai dit en arrivant. Mais non, tu as juste dit que tu lui avais demandé de descendre. Je ne l'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit? Eh ben je le dis. Mais enfin, tu ne pouvais pas le dire plus tôt? D'accord. Bon, j'y vais rester là tous les deux. Oh non, je suis vraiment navrée, Paul. Mais dépêche-toi! Elle se met à faire le chantage au suicide, elle aura affaire à moi. Oui, mais calme-toi d'abord, ne la brusque pas, tu la connais, hein? Mieux que toi! Ah voilà, ça. À chaque fois. À chaque fois, j'entends ça. Mieux que toi. Et elle en est persuadée, alors que c'est le contraire. Ah bon? Oh, mais oui, hein. Et entre Sophie et moi, une complicité, mais extraordinaire. Elle me confie des choses qu'elle ne confierait jamais à sa mère, qu'elle adore, hein, seulement il faut qu'on soit là tous les deux. D'ailleurs, quand on a divorcé, si l'appartement d'en face n'avait pas été à vendre, mais je sais pas ce qui serait passé, hein. C'est pas facile. Ça, je me mets à votre place. Oh, bon, c'est trop gentil de votre part. Vous avez des enfants? Eh oui, un fils, un grand. Ah, c'était mon rêve, moi, d'avoir un grand fils. Mais avec Nicole, je fais pas toujours ce que je veux non plus, hein. Et la maman? La maman du grand-fils. Ah, elle m'a quitté. Oh, ça m'étonne pas. Pardon? Non, pardon, je voulais dire... Non, je voulais dire, plus rien ne m'étonne. C'est l'époque qui veut ça. Les femmes savent plus ce qu'elles veulent, les hommes savent plus ce qu'ils font. Bon, c'est pas le contraire, d'ailleurs. Enfin, on va pas refaire le monde à ce tour-ci. Hein. Asseyez-vous 5 minutes, je vous en prie. Alors, vous sortez, vous allez où? Au théâtre. Oh, c'est bien. Alors ça, ça va lui faire du bien, Nicole. Parce qu'elle a besoin de se distraire. Hein. Et les occasions de rire sont si rares, hein, en ce moment. Qu'est-ce que vous allez voir? Oedipe. Ah oui. De Sophocle. Oui. Je vous remercie, j'étais au courant. Mais je ne sais pas si c'est ça qui va la... Ça me paraît un peu aride comme sujet. Vous trouvez? Bah quand même, hein, cette pauvre femme qui se pend quand elle apprend qu'elle a couché avec son fils. Et lui qui se crève les yeux tellement il a honte d'avoir fait ça. Je peux me tromper, hein, mais je vois pas bien Nicole sortir de la salle en pleurant de rire. Non, pas votre problème. Ah, mais elle est prévenue. Oh, bon, alors tout va bien. Vous allez voir ça où? Au TEP. Oh. Au TEP. Au TEP. Oui, au Théâtre de l'Est parisien. Ah oui, je vois. Ah, c'est pas gay comme quartier là-bas, hein. Si, c'est dans le coin du cimetière du Père Lachaise, ça. Hein. Oui, enfin. Oui, ah, bah, on le voit pas de la salle, hein, bien sûr. Mais enfin, c'est pas loin quand même, hein. Et qui est-ce qui joue Oedipe? Ça, je ne sais pas. Ah bon? Non, c'est un théâtre subventionné. Ce qui compte, c'est la pièce avant tout. Mais bien sûr. Ah, faudrait que je me décide à aller voir ça un jour. Vous ne croyez pas? Absolument. Oh, je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Absolument. Et puis, vous n'êtes pas contrariant. Remarquez, je me mets à votre place. Vous n'êtes pas dans une situation facile non plus. Hein. Vous ne pensiez pas me rencontrer, moi, aujourd'hui. Je dois dire que... Et vous avez prévenu tout de même. Qui ça? Bah, Nicole, que j'habitais en face. Non. Et voilà. Ah! Oh. À chaque fois, je lui dis « Préviens !» Elle oublie. Moi, je préviens. Ah bon? Ouais, c'est la moindre des choses. Quand je reçois une dame à côté, je préviens. Alors pourquoi, quand elle reçoit un monsieur ici, elle prévient pas? Sans doute qu'elle a dû oublier. Mais elle oublie tout le temps. C'est beaucoup plus gênant pour moi que pour vous, croyez-moi. Qu'est-ce que je fais là? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Mais vous attendez votre fille, non? Oui.
Je vous remercie. Enfin, j'aurais très bien pu l'attendre de l'autre côté. Oh, puis, je gâche votre soirée. Ah oui. Mais je le sens bien, puis la mienne aussi. Alors ça, il n'y a pas question, hein. Ah, j'y tiens à mon archipel. Ah, vous avez un archipel? Non, pas moi. Schumacher, en Crète, il a acheté un archipel pour y construire des clubs de vacances, et c'est moi qui dois les décorer. Ouais. J'ai pas intérêt à arriver en retard à son anniversaire. Oh là, il aurait horreur de ça. Puis, c'est pas les décorateurs qui m'ont... Elle vous a même pas offert à boire. Oh, je suis confus pour elle, là. Excusez-la. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit whisky? Hein? Oui, non, j'avais deviné. Alors, avec des glaçons, s'il vous plaît. Vous êtes amateur de glaçons. Parce que là, vous allez vous régaler, ceux-là sont merveilleux. Moi, je les fais venir de la campagne. Ça n'a rien à voir avec ces cochonneries de glaçons de robinet qu'on fabrique ici. Hein. Non, non, ceux-là sont d'authentiques glaçons de rivière. Hein. Moi, je vous dis, c'est bien ça, j'en arrive même à les prendre sans scotch, alors. Ben, dis donc, qu'est-ce qu'elle descend comme whisky, Nicole, vous avez vu? Elle était pleine, la bouteille, hier. Oh, faudrait qu'elle fasse un peu attention, quand même. Ça vous choque pas, vous? Quoi? Une femme qui boit? Vous trouvez ça bien, vous? Ah, mais non. Ah, ben, moi non plus, hein. Remarquez, il n'y a pas longtemps, hein, quand on vivait ensemble, jamais. On aurait touché une goutte d'alcool, mais depuis qu'on est séparés, j'ai remarqué que c'est... Enfin, c'est peut-être provisoire. Non, je suis sûr que quand elle aura retrouvé un peu de stabilité, elle cessera. C'est bon. Pour ça, il faudrait qu'elle rencontre quelqu'un qui soit assez fort pour l'assumer, oui. Très bien. Et puis pour la faire rire, hein, surtout. Ah. Et c'est pas facile, hein, parce que, c'est, elle rit pas facilement, Nicole. Je vous déconseille fortement les histoires drôles. En dès qu'elle entend quelqu'un dire « Connaissez l'histoire du type qui se promène avec un suppositoire accroché à une chaîne en or autour du cou ?» Alors, oh là, elle quitte la table, mais elle ne supporte pas ça. C'est dommage parce qu'elle est bonne. Nicole ? Non, l'histoire. Vous la connaissez ? Non. Oh bah alors je vous la finis. Alors, il rencontre un copain qui lui dit « Mais pourquoi tu te promènes avec un suppositoire accroché à une chaîne en or autour du cou ?» Et il lui répond, parce que mon médecin m'a demandé de suspendre mon traitement. Elle est drôle, hein? Ah, si, elle est drôle. Ah, non, elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle, hein? Je vous le dirais, hein, si elle n'était pas drôle, je vous dirais, bon, bah. Elle n'est pas drôle. Et puis, c'est tout. Mais là, elle est drôle. Alors, je vous le dis, elle est drôle. Enfin, elle est drôle quand on la comprend. Hein. Mais je sais pas, ça n'a pas l'air de vous amuser beaucoup. Ah, si. On ne le dirait pas. Je voulais peut-être mal raconter. Ah, si, très bien. Parce que si vous n'avez pas bien comprise, je peux vous la redire. Non, j'ai très bien compris. Elle est très drôle, mais vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui s'extériorise beaucoup. Ah, je vois. Vous êtes du genre qui rit intérieurement. Voilà, c'est ça, oui. Ben, bien, heureusement que vous allez voir Édipe. Parce que si c'était une pièce comique et que toute la salle soit comme vous... Oh, les acteurs! Oh, la tête qui ferait, les acteurs! Vous savez, les pièces comiques, moi. Oui, oh, bah, ça se voit tout de suite, hein. Mais vous devriez essayer une fois pour voir. Ça peut pas vous faire de mal, hein. Puis je vous dis, Nicole, si le texte est de qualité, elle est pas contre, hein. Ah bon? Enfin, après, diplôme n'est pas tout de suite voir Antigone, hein. Essayez d'alterner un peu, enfin, si vous pouvez, hein. Oh, mais pardon, excusez-moi, je me mêle de choses qui me regardent pas. Si, au contraire. Je vous remercie de me lire tout ça. Oh bah si j'ai pu vous être utile, vous m'envoyez ravi. Hein. Comme ça, vous n'avez pas complètement perdu votre soirée. Ça fait bien 5 minutes qu'elle est montée maintenant. Oui, à peu près. J'espère qu'elle ne va pas tarder à descendre. Je vais en profiter pour récupérer mon bouquin. Ça fait 2 mois, dites-donc, 2 mois que je lui ai prêté, 8 jours que je lui réclame, et j'arrive pas à remettre la main dessus. Et... Non, bah, il n'est pas là d'ailleurs. Bon, je vais aller voir dans la chambre. Hein. Vous permettez? Je vous en prie. Vous êtes chez vous? Ah ben, non. Non, justement, je ne suis plus chez moi. Et même, ça me gêne un peu d'entrer dans la chambre. C'est drôle, hein? Oui. On a été heureux, là, vous savez. Oh, pardon, je ne devrais pas évoquer ce genre de souvenir devant vous, là. Ah, mais je comprends tout à fait. Oh, ben, je vous en remercie, mais quand même, il faudrait que je fasse attention. Oh! Oh, c'est pas vrai! Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous verriez les fleurs! Ah, mais écoutez, j'ai jamais vu ça. Non, mais vous devriez aller voir. C'est, mais épouvantable! Mais là, vraiment, aucun goût, vous verriez ce mélange qu'elle a fait, puis la masse que ça représente. Mais elle a dû faire toutes les poubelles de Rungis. Oh non, mais allez, jetez un œil, par curiosité, c'est... Je vous crois. Oui, oh, vous avez raison d'ailleurs. Vous dérangez pas en laissant d'ici.
Et vous savez pourquoi ça pue comme ça? Parce qu'elle a mélangé des roses avec des orchidées. Il faut jamais faire ça. N'importe quel fleuriste vous le dira. Enfin, bon, mais ça existe, hein. Donc, heureusement que vous ne lui en avez pas apporté. Oh. Ah non, mais elle n'aurait pas su où les mettre, là. C'est le jardin des plantes. Ça, si. Si la chambre est trop petite. Ah non, dedans, elle n'est pas trop petite. C'est le bouquet qui est trop gros. Oh, non, mais elle est folle avec ses fleurs. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Vous allez arriver en retard au cimetière. Excusez-moi. Au théâtre, tiens. Bon, je vais l'appeler parce que... Ah bah tiens, ça c'est elle, c'est pas la peine, je suis sûr que c'est elle. Comment ça se passe avec Sophie? Oh pardon. Non, là vous tombez mal, mon vieux. Si elle est encore là, elle va pas tarder à s'en aller. Ben, elle sort, figurez-vous. Ben oui, elle va voir Édipe. Non, pas Edith, Édipe. Voilà. Avec Paul. C'est un ami. Alors, je peux pas vous la passer, là. Comment, qu'est-ce que je fais ici? Mais donc, je suis encore un peu chez moi, si j'ai tout laissé, moi, quand je suis parti. Bon, écoutez, on a un énorme problème avec Sophie, hein, puisque vous voulez tout savoir. Alors, avant de partir, elle est montée la voir 5 minutes. Rappelez-la demain. Mais tout à l'heure, je viens de vous dire qu'elle sera... Elle sera... Allô? Hein? Oh, le con, il a raccroché. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me raccrocher au nez, comme ça? Oh! C'était André. André? Oui, Nicole veut plus le voir, hein. Pour elle c'est fini, mais lui, mais il s'accroche, hein. Ça va mal se terminer. Déjà la dernière fois, il m'a bousillé ma télé, ce con. La télé? Mais t'es une télé, là, il me l'a balancé sur le crâne. J'ai su tout le temps d'éviter. Enfin, chacun son tour, hein. On peut dire que vous arrivez au bon moment, hein, Paul. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? C'est le whisky. Qu'est-ce qu'il a, le whisky? Il est pas bon? Si, mais comme je n'en bois jamais, ça m'a... C'est vous qui m'avez demandé un whisky tout à l'heure. C'est parce que vous en buviez, moi, d'habitude, je ne bois que de l'eau. Ah bon? Alors si je buvais de l'eau de Javel, vous auriez fini la bouteille? Enfin... Mais vous pouviez pas me demander un verre d'eau? Oui, j'aurais dû, d'habitude, je ne bois que de la Contrex. Bah, faut vous y remettre, parce que dites-le, mon petit Paul, ça vous réussit pas, le whisky, ça, ça hein? Va passer, ça va passer. Bah, j'espère que ça va passer. Ah, tout de même, c'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous en avez mis un temps. Ah non, mais tu n'es vraiment pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris de dire à André que j'étais chez Sophie? Oh, bah, qu'est-ce que... C'est parce que c'est la vérité. Il fallait pas? Non, il fallait pas. Il m'a appelé chez elle, figure-toi. Parce qu'il a aussi le numéro de Sophie, mais dis donc. Mais t'es complètement encerclée, ma pauvre chérie. Oh non, je t'en prie, mais enfin, pourquoi tu lui as dit que je sortais? Ah, il fallait pas non plus. Non, il fallait pas. Tiens, va à la fenêtre, tu vas comprendre. Oh non, je suis vraiment désolée, Paul, mais j'ai bien peur que notre soirée soit compromise, j'ai un autre problème. Ah oui, bien gros, hein. Il fait bien 100 kilos, le problème. Mais comment a-t-il pu arriver aussi vite? Mais il y a le téléphone dans sa voiture, il devait être tout près d'ici. Mais qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Mais la vérité, que tu sortais avec Paul, voire Antigone. Oedipe, on s'en fout d'ailleurs que lui aussi. D'accord, quoi que. J'aurais peut-être dû lui dire Antigone. Tiens, il sera peut-être pas là. Quoi? Bête comme il est, il aurait cru que t'allais avoir une copine. Oh non, je t'en prie, mais enfin, tu avais vraiment besoin de lui parler de Paul. Oh non, je suis très ennuyée, Paul, mais ce garçon... Enfin, tu lui as expliqué. Mais rien du tout. Dès que j'ai le malheur d'ouvrir la bouche, ça me retombe dessus. Je sais même pas ce qu'il fait dans la vie, ton gorille. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Mais je te l'ai déjà dit, il dirige un club d'aérobic. Ah oui, c'est vrai qu'avec une tête pareille, ça pourrait pas être un club de bridge, hein? Michel, ça suffit. Laisse-moi expliquer à Paul. Mais il a compris depuis longtemps. Hein, Paul, que vous avez compris? Vous avez des ennuis? Tu vois, tout de suite, il a compris. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, dans l'état où vous êtes, rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah, le pauvre, il supporte pas le whisky. Oh là là, il manquait plus que ça. Bon, si ça va pas, les toilettes, c'est par là. Dis donc, et Sophie? Mais elle est chez toi, elle t'attend. Tu pouvais pas le dire plus tôt. Bon, j'y vais. Et si André monte, qu'est-ce que je fais? Allons là. Non, je te préviens, si André monte, moi, je ne m'en mêle pas. T'auras qu'à le laisser tambouriner. Il tambourine. André, il tambourine beaucoup. La dernière fois, il est passé à travers la porte, dites-le. Ah, mais il a ameuté tout l'immeuble, hein? Oui, mais justement, j'ai pas envie que ça recommence. Eh ben alors, tu lui ouvres et puis tu lui présentes Paul. Ben, qu'est-ce que je te dise, moi? Tu lui dis que c'est ton... Qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Ton cousin, oh. Tu lui dis que c'est ton cousin. Paul, ça vous ennuie pas de passer pour le cousin de Nicole? Juste quelques minutes, hein? Si ça peut vous rendre service... Mais c'est pour vous que je dis ça, mon petit vieux. Moi, je tiens pas à vous voir passer par la fenêtre comme ma télé, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il est monté dans sa voiture. Ah bah c'est bon, ça va peut-être s'en aller. Démarre. Ah non, pas encore. Oh, on dirait qu'il téléphone. Oh, mais à qui peut bien téléphoner, cet abruti? Devine. Oh là là. C'est qu'il commence à me gonfler sérieusement, celui-là. Ne réponds pas. Tu sais très bien qu'on est là, alors laisse-moi faire. Allô. Oui, c'est moi. Oui, je suis encore là, ça vous dérange? Oui, elle est là. Non, je vous la passerai pas. Parce que Nicole ne veut plus voir votre sale tronche. Quand est-ce que vous allez le comprendre, ça? Michel. Bah quoi, c'est la vérité? Comment? Que je vienne vous dire ça en face, mais quand vous voulez, mon vieux.
Mais vous savez, moi, les baudruches qui font de la gonflette, ça m'a jamais impressionné, hein. Eh ben, ça aussi, je peux vous le répéter en face. Eh ben, tout de suite, si vous voulez. Eh ben, le temps de descendre. Vous bougez pas, j'arrive. Non, mais enfin, Michel, tu es fou, tu ne vas pas. Je sais pas quoi, tu l'as entendu. Il m'a mis au défi d'aller lui répéter ça en face. Il va être servi, crois-moi. Non, Michel, ne fais pas ça, je t'en supplie, il va te frapper, mais ne fais pas ça. Nicole, tu me lâches. Tu me connais mal, ma petite fille, tu sais, faut pas trop me chercher. Puis c'est ta faute aussi, t'es là, tu te mets dans des situations impossibles, tu sais plus comment t'en sortir. Je décide de prendre l'affaire en main, alors laisse-moi faire. Pardon. Bon, vous venez, Paul hein? Ah non, pour vous c'est par là. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, j'y vais. Allez, tout de suite. Oh! Oh, l'on d'un chien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, Sophie. J'oubliais Sophie. On peut pas la laisser seule aussi longtemps, puis on peut pas non plus lui demander de descendre avec nous. Vous voulez que je m'en occupe? Oh non, dans l'état où vous êtes, sûrement pas. Si, si, je vous assure, le temps que vous remontiez, je peux pas. Et si je remonte pas? Ah, vous avez pensé à ça? Elle a raison, Nicole. Je suis pas seule dans la vie, moi j'ai des responsabilités. Qui est-ce qui s'occupera de Sophie s'il m'arrive quelque chose? Vous avez pensé à ça? Ben non. Ben oui, ben voyez bien. C'est pas vous qui lui ferez ses études à Sophie. Parce qu'elle fait des études, Sophie, puis elle n'est pas prête de les terminer, c'est moi qui vous le dis. Hein. D'ailleurs, ça aussi, il va falloir que ça change. Hein. Sans ça, elle va avoir son bac à 50 ans, celle-là. Non, Nicole a raison, moi, je peux pas descendre. Ah, tant que Sophie n'a pas son bac, je ne peux pas. Il a son bac, votre fils? Ah, ben oui, depuis longtemps. Oh, ben vous craignez rien, vous. Alors, puisque vous vous sentez mieux, descendez, dire au gorille que j'ai un petit empêchement. En fait, t'es complètement fou, tu vas pas mêler Paul à tout ça. Ah, c'est lui qui s'est proposé. D'aller voir Sophie, pas d'affronter André. C'est vrai, ça. Et oui, moi, je parlais de Sophie. Ah, ben je vous remercie, c'est agréable. Très bien, puisque personne ne veut que je règle cette histoire à ma façon, moi, je vous préviens, je ne m'en mêle plus. Mais je vais quand même... Ah non, tu vas pas encore le provoquer. Ah, dernier, j'appelle Sophie. Tu penses pas que j'ai son téléphone? Attends, l'aérobic, il manquera plus que ça. Mais tu n'as que le palier à traverser, pourquoi tu vas pas la voir? Parce que j'en ai pas envie, voilà. T'es contente? Mais quoi, t'as pas envie de voir Sophie? Non, le palier, tu sais, il y a des soirs, hein, comme ça, on n'a pas envie de... Non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Qui va surveiller ton dinosaure pendant que je traverse le palier? Occupe-toi plutôt de Paul, ça fait trois fois qu'il change de couleur, là. Voilà, occupé, dinosaure, c'est toujours occupé. Hein. Au fait, qu'est-ce qui lui arrive à Sophie? Bah, moi, je suis toujours au courant de rien, là. Mais ce qui lui arrive, elle est amoureuse, comme d'habitude. Et ça marche pas? Ah, bah, si ça marchait, elle serait pas dans l'état où elle est. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il ne veut pas divorcer, là. Oh, t'es content? Non, je la comprends. Si il veut pas dire... Attends, je vais pas tout... Il veut pas quoi? Divorcer! Il ne veut pas divorcer! Il est marié, il a deux enfants et il frôle la cinquantaine. Voilà, tu sais tout. Oh. Il frôle la quoi? La cinquantaine. En plus? Ah, moi, c'est l'infarctus que je frôle, là, hein. Paul! Oui? Si vous pouvez encore vous lever, vous voulez pas m'apporter la bouteille de whisky qui est là-bas, s'il vous plaît? Mais tout de suite. N'y touchez pas, vous, hein. Surtout, n'y touchez pas, hein. Alors, rassurez-vous. Non, mais c'est pas à vous que je pense, c'est à moi, parce qu'il va m'en falloir beaucoup, hein. Ah, là, je sens qu'il va m'en falloir beaucoup, hein. Bon, vous, le gros tas, vous nous foutez... C'est toi, Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus rien à boire? Bah, viens ici. Oui, je vais te rafraîchir la tête, moi, à défaut d'autre chose. Non, tu ne discutes pas. Je te veux ici dans 30 secondes, t'as compris? Elle n'a pas intérêt à traîner, hein. Crois-moi, elle n'a pas intérêt. Et tu crois que c'est en lui parlant comme ça que tu vas la faire venir? Parfaitement, c'est en lui parlant comme ça. Je la connais mieux que toi. Et oui, et tu vas peut-être pas tarder à t'en apercevoir. Tiens, ouais, qu'est-ce que je te disais? Même pas 10 secondes. On va l'ouvrir, je prends l'air sur la terrasse. Oh. André, écoute-moi. André. Alors, aérobic de mes fesses! T'as même pas le courage de sortir de ta poubelle téléphonique? Tu la dégages quand je te balance sur ma table et mes chaises sur ta sale tronche? Non, mais sans blague! Ah, ben tiens, il bouge plus ton aérobic là! Eh, Paul, il bouge plus les. Ah, non, voilà, bougez pas! Alors, qu'est-ce qu'il a ma tronche? Une seconde! Qu'est-ce qu'il a ma tronche? Je vais vous le dire, une seconde! Qu'est-ce qu'il a ma tronche? Une seconde! Allô? Oui, j'ai bien demandé police secours. Merci de répondre aussi vite parce que ce serait pour une intervention rapide. Ah ben c'est urgent, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben pour le moment pas grand-chose, mais comme ça va pas tarder, j'ai pensé que vous seriez content d'être prévenu un peu à l'avance. Ce qui vous permettrait d'arriver un peu moins tard que d'habitude. Non, je plaisante. Là. C'est au 12 rue de la Victoire, c'est au 3e à gauche, c'est là que ça va se passer. Alors, si vous pouviez venir un peu rapidement, franchement ça m'arrangerait. Merci monsieur l'agent. Brigadier, comment c'est un brigadier? À tout de suite, mon brigadier. À vous, attention, hein. Il y a des coups de téléphone qui peuvent faire très mal, vous savez. André! Je crois qu'on vous demande là-bas. André, je te préviens, si tu t'en vas pas immédiatement, tu ne me revois plus jamais. Et moi non plus. Forcément. Mais ça vous arrangerait plutôt. Puis c'est de votre faute d'abord. Fallait m'attendre en bas, comme prévu. Moi, j'ai pas du tout l'intention de me colter ici avec vous. Puis j'ai un témoin.
Ah, vous n'avez pas vu, hein, en entrant, ce qui est très difficile. Mais... J'ai hâte de vous voir. Je vous présente Paul Béton. Simon. Lafargue. Paul Lafargue. Oui, Lafargue. Il vient de Lafarguevski. Absolument. Et c'est après la révolution de 68. 1917. Et 17, encore mieux. Que ses parents ont décidé d'abréger le prénom. Oui, moi aussi j'abrège parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Le principal, c'est qu'il sache que vous êtes son cousin. Hein, Paul? Vous êtes son cousin. Oui, c'est Paul. Son cousin des Carapates. Des Carapates. Voilà, c'est son cousin. Mais lui, c'est le cousin de Nicole. C'est le fils de la sœur de sa maman. À Nicole. Oh là. Bon, la maman de Nicole, ma belle-mère, hein, si vous préférez, elle a une sœur, Violette, par la couleur, hein, le prénom. Et bien, quand elle s'est mariée, Violette, elle a eu un fils, Polanski. Mais non hein. Paul, oui, pardon, Paul, excusez-moi. Après, monsieur. Et le voilà, Paul, 60 ans après. 55. Oh, bah bravo, vous les faites pas. Et elle le sait, Violette. Que j'ai 55 ans. Non, qu'il est bête, que vous êtes chez nous, elle le sait. Ah oui, elle le sait. Alors appelez-la. Pour lui dire quoi? Que vous allez voir Eddie pour faire la chaîne. C'est une mamie, Otep. Oui, Otep. Appelez-la, qu'elle vous attende pas à la sortie du cimetière. Non, non, ça peut attendre. Ah bon, bah vous faites comme vous le sentez. Non, c'est vrai, s'il préfère attendre. Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche? Dites-lui, Paul. Qu'est-ce qu'elle a? Moi, je sais pas, moi, d'ailleurs, pas d'ici. Nicole, même de dos, hein? Non, non, au contraire. Non, c'est une belle tronche de... Bien. Je vous le dirai, hein. Mais pourquoi vous me demandez ça? Ah, c'est à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure au téléphone. Faut oublier ça. J'étais très, très énervé. Et pas à cause de vous, en plus, à cause de Sophie. Vous savez ce qu'elle nous fait, Sophie? Je m'en fous. Eh ben, c'est clair. Hein. Bon, Nicole. Nicole, c'est vrai que tu veux plus me voir? Non, mais... Nicole! Il a dit ça, que tu voulais plus me voir, alors je te demande si c'est vrai. Mais non, enfin, c'est pas vraiment. Oh là là, il faut toujours que Michel se mêle. Je ne me regarde pas, vous allez voir. Mais parfaitement, qu'est-ce que tu avais besoin de raconter tout ça? Qu'est-ce que je vous disais? Et vous savez comment ça va se terminer tout ça? On va aller voir Édipe tous les deux. Oh non, si. Ça vous arrangerait, ça, qu'on aille voir Édipe tous les deux, hein? Qui c'est celui-là? Nicole, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Non, rien, je parlais d'Antigone. Mais qui c'est celle-là? C'est sa fille. Votre fille? Mais non, pour la sienne. La fille d'Édipe. La sœur de Théocle et de Polynice. Et c'est parce qu'elle a enterré Polynice, malgré l'interdiction de Créon, qu'elle a été condamnée à mort. Par Créon. Vous le saviez, ça, tout de même? Je ne savais même pas qu'elle était morte. Oh, il est... Lui, dans une noce, ça doit être, mais... Je suis navré de vous l'apprendre aussi brutalement, mais elle est morte. C'est la vie. Et c'est pour ça qu'il veut emmener Nicole voir son père? Moi? Ben oui, vous. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Il faut arrêter de me prendre pour un con, hein? Bon, alors Oedipe, c'est son père ou c'est pas son père? Oui, c'est bien son père, mais il est mort aussi. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais fait envoyer des fleurs, quand même. Bon, là, je crois qu'on va arrêter un peu, hein, parce que c'est... Parce que, quoi, non, dites donc. Est-ce que je passe avec ma famille, moi? Non. Alors, foutez-moi la paix avec la vôtre. Oui, vous avez raison. Non, il a raison. Bon, alors, si j'ai raison, tirez-vous. Allez, tirez-vous. Ah, ça, par contre, ça m'étonnerait beaucoup que Nicole accepte de rester seule avec vous. Hein, Nicole? Nicole! Si, je préfère. Allez m'attendre tous les deux à côté. J'ai besoin de lui parler, ce sera pas long. T'en es sûr? Mais oui, parce que je vous dis, sinon ça va mal tourner. Oui. C'est bien parce que tu l'exiges, hein. Tu l'exiges. Mais oui, dépêche-toi, va plutôt t'occuper de Sophie. Oh non, je suis vraiment désolée, Paul, mais au point nous ensemble, ça me ferait plaisir que vous assistiez à leur entretien parce que Michel est tellement énervé. Là. Oh, bah y a de quoi, non? Vous savez ce qu'elle vient de nous apprendre, Sophie? Je m'en fous. Mais pas moi, ça va barder, je devrais rien de la barder. Bon, et ça changera quoi? Tu sais très bien qu'elle en frappe à sa tête. Ça, c'est ce qu'on verra. Une gamine de 16 ans tombée amoureuse d'un type de 50. Vous trouvez ça normal, vous? Je m'en fous. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je souhaite qu'il vous arrive la même chose, puis vous verrez comme vous en foutez. Allez, vous venez, Paul. Vous voulez vraiment? Ah oui, vous me rendrez un grand.
au service, vous calmerez Michel. Oh, je vous ai calmé, hein. Ah, tu trouves. Merci, Paul. Allons voir la gérontophile. Excusez-moi. Ah, mais Nicole, écoute, Nicole, enfin, Nicole. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? La porte était ouverte. Bah, bonne raison, vous pouviez sonner, non? Bah, excusez-moi. Voilà. Bonjour, madame. Oui, bonjour, Gérard. Bonjour, monsieur. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Sophie n'est pas chez elle. Alors, je venais voir si par hasard elle n'était pas chez vous. Ça fait 8 jours qu'elle refuse de me voir, et quand je lui téléphone, elle raccroche. Sans explication. Bah, ça tient ça de sa mère, hein. Oh. Je sais même pas ce qu'elle me reproche. Bah, regardez-vous dans une glace. Vous comprendrez tout de suite ce qu'elle vous reproche. Qu'est-ce que j'ai? 30 ans. Quoi? Il vous manque 30 ans. Voilà ce qu'elle vous reproche. Nicole. Oh, c'est malin. Non, écoutez, Gérard, c'est pas facile à expliquer, puis pour tout vous dire, vous tombez assez mal. Ah, tombe très bien, Quentin. Comme ça, elle va pouvoir s'expliquer devant nous et devant lui. Mais enfin, dites-moi ce qui se passe. Elle est tombée amoureuse, voilà. De lui? Ah non, pas de lui, non. Elle est tout de même pas là. Pardon? Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, on nous dit. Elle est pas là. Mais de qui? Bon, ben, venez avec nous, vous allez le savoir. Où est-elle? Chez moi, c'est pas loin, oui, avec le palier à traverser. J'y vais. Allez, Paul, suivons-le. On va pas laisser Nicole toute seule avec ce chien. Allez, allez, avec ce monsieur, il a voulu dire avec ce monsieur seulement. Il a un peu trop bu et a du mal à terminer ses phrases. Eh, il peut la frapper. Ah, il peut. Ça, bien sûr, il peut. Alors, vous voyez bien. Mais il veut pas. Ah, André, vous voulez pas la frapper? Moi, j'ai bien peur que si. Excusez-le. Non, mais il est comme ça depuis qu'il est tout petit. Il a une adoration pour sa cousine. Il a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous en faites pas, Paul. Dès qu'elle crie, parce qu'il l'étrangle, on arrive, alors. Elle répond pas. Oh, bah ça m'étonne pas. Bah, prenez mes clés. Oh, je dis, je suis parti sans mes clés. Quoi? Puis j'ai tiré la porte. Ah, bah là, on peut pas, on peut pas. On peut pas, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Voilà, on peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Attendez, j'ai une idée. Non, bougez pas. Non! J'en ai pour 30 secondes. J'en ai marre! Oui, eh ben, vous n'êtes pas le seul, hein. Ouais, vous avez outré quand, vous? Qui, moi? Vous les deux, vous êtes quand? Bon, dites, c'est bien ce que je pensais. Ma fenêtre n'est pas complètement fermée. En passant par là, vous arrivez sur le balcon, vous ne montrez pas, hein. Sinon, elle fermera la fenêtre. Et une fois dans la place, vous la bousculez un peu, et puis vous nous ouvrez de l'intérieur. D'accord? Je vais essayer. Oui, mais c'est pas le tout d'essayer, il faut réussir surtout, hein. Allez, bonne chance! Allez, courageuse, garçon. Moi, je le ferai pas, ça, moi. Bon, dites donc, ça va durer longtemps? Ben, ça dépend s'il est agile. En 2 minutes, c'est réglé, hein. Et dans le cas contraire, il faudra appeler police secours. Encore? Mais n'ayez pas peur, j'ai fait semblant tout à l'heure. C'était pour vous intimider. Je vais pas vous balancer un quart de flic sur le dos. Non, ça, c'est pas mon genre. Vous voulez boire un petit quelque chose? Non! Oh là. Vous voulez vous asseoir 5 minutes? Non! Non plus. Bon, Paul, tenez-vous prêt parce que ça va peut-être pas tarder. Mais vous êtes sûr qu'il ne va pas là? Mais est-ce que ça vous regarde ce qui va ou ce qui va pas? Est-ce que je m'en mêle, moi? À boire. Non. Et pourtant, je pourrais. Eh ben non, je ne bouge pas. Ça, c'est de la faute de Nicole, elle, avec un pas. C'est vrai, c'est de ta faute, avec un pas. Je n'avais pas quoi. Elle n'est pas arrivée comme ça, par hasard, dans ta vie, André. Eh bien, fallu que tu la gâches un petit peu, quand même. Vous savez qu'au début, il n'y en avait que pour vous, hein. Et André, il est ceci, André, il est cela. Et alors, André, j'ai tout encaissé sans broncher, moi. Moi, le mari. Le mari? Oui. Mais nous étions déjà divorcés quand j'ai rencontré André. Tu l'as oublié, ça? Oh non, je ne l'ai pas oublié. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu devrais avoir honte. Quoi? Parfaitement, mais c'est honteux, 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 ce que tu as fait là. On ne divorce pas quand on a une enfant aussi fragile que Sophie a élevée. Ah, parce que tu y pensais, toi, Sophie, quand tu me trompais avec ta dactylo. C'est faux. C'est faux? Elle n'était pas dactylo, elle était secrétaire de direction, nuance. Quelle différence? Point de vue salaire, énorme. Et puis la question n'est pas là. Ah oui, ça je le fais pas dire. Ah non, je le dis tout seul. On ne fout pas la vie d'une famille en l'air pour une petite histoire de rien du tout. Non, quoi? Écoutez-moi, ce n'est pas du tout une petite histoire de rien du tout, c'est très, très important. Oui, une seconde, ce qui se dit là, c'est encore plus important. On n'a jamais eu le temps d'en parler tranquillement ensemble, alors c'est peut-être pas le moment, mais c'est comme ça. Excusez-moi. Je vous en prie, Paul. Ah, tu dis plus rien, Nicole? Et les autres? Tu les as oubliés, les autres? Il n'y en a jamais eu d'autres. Jamais. Jamais? Avant le divorce, jamais. Après, j'avoue que je me suis régalé, mais avant, jamais. Tu t'es régalé? Ben, c'est pas très difficile, hein? Parce qu'il fallait les voir, les têtes de toutes les idiotes qui ont défilé ici pendant 2 ans. Il fallait les voir. Tu veux que je te dise ce que c'est, ça? C'est de la jalousie. Voilà ce que c'est. Eh bien, je regrette qu'il ne puisse pas voir la tête de la dernière andouille que tu as ramassée. Ah, ni une andouille? Ah oui, ah oui. Alors, ça te va bien de te moquer d'André? Alors là, je regrette vraiment que vous puissiez pas la voir. Moi, elle n'a pas inventé la poudre, d'accord, mais vous, je suis sûr, ça vous gênerait pas trop, ça. Je vais vous dire, moi, ce qui me gêne. Non, bah, ben, ça, c'est pas la peine, je le sais, c'est moi. Oui, c'est vous, mais, c'est vous. Mais non, mais ça va bientôt se terminer, mais quel dommage que vous puissiez pas voir la tête de l'andouille. Ah, bah, tiens, la voilà. Bon. Oui, ah, bah, je sais bien, oui.
C'est pas Madonna, hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? La porte était ouverte. Bah alors, c'est pas une raison, tu pouvais sonner, même pas. T'es chez Nicole, ici, tu l'as oublié. Mon tonton criait d'en bas. Et qu'est-ce que tu faisais en bas? Je venais ici. Non, tu veux dire en face. Bah oui, mais comme la porte était ouverte. Mais attends, Donna, on va pas tout reprendre à zéro. Hein. Dis donc, on devait pas se voir aujourd'hui. Non, mais c'est à cause de Maurice. Qu'est-ce qui lui arrive à Maurice? D'abord, qui c'est, Maurice? Ben, c'est mon mari. Je l'avais oublié. Non, ben, quoi, vous savez, aujourd'hui, hein, Paul, André, Violette, et maintenant Maurice, on va avoir de la mémoire, hein. Bon, dites donc. Quoi? Vous n'êtes pas en pyjama, là? Apparemment, non. Vous êtes en smoking. Ah, oui. Donc, vous sortez. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Je ne demande que ça, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Il faut que je récupère mon impair, mes clés de voiture et le cadeau pour Schumacher. C'est ce que je lui offre à Schumacher. Je m'en fous. Oui, ben forcément, c'est pas pour vous, mais si c'était pour vous. Hein, si c'était pour vous. Et vous, vous savez ce qu'il y a pour vous si vous vous barrez pas tout de suite? Mais c'est pas de ma faute si l'autre imbécile met une heure pour aller voir ce qui se passe. Il a dû faire un crochet par la Napurna, c'est pas... Nicole, tu veux jeter un coup d'œil si j'ai de la visite, moi? Ah oui, ça je vois, hein. Bon, Nicole. Ah non, c'est vraiment pas le moment. Oh, mon Dieu, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il est passé de l'autre côté. Quoi? Oui, il est suspendu dans le vide. Oh, le vite, con. Vite, venez l'aider, oh, en le mais con, c'est pas vrai. Venez vite, je vais avoir besoin de vous. J'ai pas fait de vous. Ne me lâchez pas, ne me lâchez pas. Donnez-moi la main. Mais laquelle? Mais je porte laquelle? Mais je vais tomber, moi. Le pied, maintenant, le pied. Où ça? Mais pas sur ma main, crétin. Ah, oh, mon Dieu, il est blessé. Il est blessé. Poussez-vous, vous me l'aidez. Et pour aller où? Partout, je gêne. Bon, Nicole. Comment ça va, Gérard? Ça va, j'ai glissé. J'ai le vertige, alors. Ah bon, faut pas faire des trucs pareils quand on a le vertige. Vous pouviez pas le dire. J'aurais envoyé Paul, il serait arrivé plutôt au théâtre. Et pourquoi n'avez-vous pas crié? Je croyais pouvoir m'en sortir tout seul. Et Sophie, vous l'avez vue, Sophie? Ah oui, je l'ai aperçue. Et elle a même pas bougé quand elle vous a vu tomber. Mais c'est un monstre, hein. Qui ça, moi? Mais il croit toujours qu'on parle de lui, celui-là. Non, pas vous. Bah, elle ne pouvait pas me voir, elle me tournait le dos et elle avait des écouteurs sur les oreilles. Et voilà, on est en plein drame. Mais mademoiselle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute de la musique. Oh, je vais m'occuper de vous, Gérard. Non, ça va, c'est rien du tout. Vous êtes sûr? Oui, ça paraît terrible, mais c'est... Ah non, toi, c'est vraiment pas le moment, hein. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Du calme, la bête. On a un blessé ici. Je boirais bien quelque chose. Un petit alcool blanc, ça va vous remonter. Et vous, André? Non. Oui, c'est vrai, lui, c'est toujours... Et vous, Paul, ça va mieux? Oui, merci. Oui. Vous voulez boire un petit whisky? Ah non, de l'eau. Non, je plaisante, je vous apporte ça tout de suite. Et toi, Annie? Eh non, rien, merci. T'as tort, j'ai une petite poire, là. Je suis sûr que ton mari ne cracherait pas dessus. Ça, dans l'état où il est, ça pourrait pas lui faire de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu me l'as toujours pas dit. Il sait tout. Il sait tout quoi? Sur nous, il sait tout. Ah non, bon, il me manquait plus que ça, moi, aujourd'hui. C'est pas mon jour. Quel est l'imbécile qui a été lui raconter ça? C'est moi. Je rêve là. Pourquoi? T'es folle? Qu'est-ce qui t'a pris? Oh mais c'est toi. Non, alors tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. Ça fait une heure que j'entends que ça. Et c'est toi, c'est ta faute, c'est ta gueule, pas et machin. Tout, moi j'en ai marre. Et moi vous croyez pas que j'en ai? Je le sais. Une seconde. C'est pas moi qui t'ai dit d'aller raconter ça à ton mari. Non, mais... Bon, alors ne dis pas que c'est moi. Merci. C'est bon? Très bien. Ça requinte, hein? Ah oui. C'était de l'eau, ça? Oh non, pardon, c'est de l'alcool de poire. Excusez-moi. Oh, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, ben, pour une fois, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'il voulait de l'eau? Je me suis trompé. Ah non, c'est pas grave, ça va le dégager. Oui, et elle, tu vas la dégager quand? Ah, bah, dès que tu auras dégagé André. Quoi? Quoi? Vous n'avez pas passé la nuit ici? Vous allez peut-être songer à nous quitter maintenant. Quand elle se sera expliquée. Quoi, ici devant tout le monde? Nicole, ils n'ont qu'à l'ailleurs. Non, mais c'est vrai, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai besoin de rester seul avec Nicole. Allez déloger Sophie, si vous voulez rester seul avec Nicole. Vous allez voir comme c'est facile. J'y retourne. Non, assis. Il se croit où, celui-là, au cirque? J'ai raté mon numéro, excusez-moi, madame, je recommence. Envoyez les tambours, ça va pas, non? Est-ce que vous vous sentez mieux? Vous n'avez qu'à retourner chez vous. Ah non! Oh. Tant que je ne saurais pas pourquoi Sophie ne veut plus me voir, je ne partirai pas d'ici. Mais ça changera quoi quand vous saurez pourquoi elle ne veut plus? Si elle ne veut plus, c'est qu'elle ne veut plus. Merde à la fin! Mais vous connaissez pas les bonnes femmes, c'est pas possible. Ah, parce que vous les connaissez, vous? Oh, ben un peu, oui. Mais alors, qu'est-ce que vous foutez là? Ça fait une heure que je vous entends pleurnicher. Qu'est-ce qu'il a dit à lui? Là, il a pas tout à fait tort. Vous la ferme! Bon, Nicole, ou bien tu t'expliques ici et devant tout le monde, ou alors tu me suis et on va régler ça en bas. Ah, c'est pas bête, ça vous serait plus tranquille dans sa poubelle, dans sa voiture. Non, pas tant que Sophie sera enfermée chez toi. Mais elle craint rien, Sophie, elle a un casque sur le crâne, une grosse caisse dans les oreilles. Oui, mais on sait jamais. Bon, alors, emmène-le dans la chambre d'amis.
Ça vous va, ça, la chambre d'amis? On vient juste de faire les papiers. Je m'en fous. Bon, on voit bien que vous n'avez pas vu les anciens, hein. Parce qu'elle est très belle. Elle est très belle, maintenant, la chambre d'amis. Ça te va, ça, Nicole? Ben, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ah, ben, non, il n'y a pas moyen. Hein. Non, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen. Bon, alors, viens, suis-moi, André. Ah, quand même. Voyez, avec un peu de patience, on arrive toujours à ses fins. Vous appelez ça un peu, vous? Allez, à tout à l'heure, mon grand. Alors, à nous deux. Michel, il va rester là? Ah, Gérard. J'ai besoin d'avoir une conversation privée avec madame, et pour tout vous dire, ça me gêne un peu de l'avoir devant vous. Ah, mais je comprends tout à fait. Je vous en remercie infiniment. Dans ce cas-là, vous passez sur le balcon, vous prenez un peu l'air, mais avant, vous me jurez de ne pas recommencer votre escalade de tout à l'heure. Ah, non, j'ai trop le vertige. Merci d'avance. À nous deux. Ah, ça va mieux. Oh, non. Si, si, je vous assure. Oui, je vous crois. Excusez-moi, mais... Mais je vous dérange. Un peu, oui. Bon. Ben, j'y retourne. Mais non, vous n'allez pas rester enfermé là-dedans. Occupez-vous plutôt des fleurs, faut une machette maintenant pour rentrer dans la chambre. Merci, hein, mon petit Paul. T'es gentil, hein? C'est qui? Ben, c'est qui, c'est Paul? C'est le cousin de Nicole. Oh! Ben, ça se voit, non, ils se ressemblent. Moi, je trouve pas. Oh, tu le verrais en tailleur blanc, jurerais, Nicole. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui t'a pris à toi d'aller avouer tout ça à ton mari? J'en avais assez de devoir que deux fois par semaine. Mais pourquoi? C'était tellement bien, deux fois par semaine. Mais en cachette! Ah, ça, c'était pas de ma faute. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Oh là! Et qu'est-ce que je t'ai dit? Que c'était bête que je sois pas libre plus souvent, que si j'étais pas mariée, ce serait plus facile qu'on se verrait plus souvent. Tu te souviens? Oui, 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 oui. Oui, effectivement, je me souviens d'avoir dit que trois fois, ce serait mieux. Pas trois fois, tous les jours. Tu m'as dit qu'on pourrait se voir tous les jours. Tu te souviens pas? Si, mais... Pour ça, il aurait fallu que tu sois entièrement libre. Que la nuit aussi, on aurait pu se voir la nuit aussi. Bien sûr, la nuit aussi, mais pour ça, il aurait fallu... On n'a encore jamais passé nuit ensemble, Michel. Je sais bien, mon cher, ça me manque autant qu'à toi, je t'assure. C'est vrai. Mais oui, pourquoi je te le dirais si c'était pas vrai? C'est pour ça que j'ai tout dit à Maurice. Et voilà, elle est... Non, vraiment, mais vraiment. Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais parce que c'est un type formidable, Maurice. Et c'est pas de sa faute si je suis tombée amoureuse de toi. Hein? Non, ça, effectivement, ça peut pas être de sa faute. J'ai pas le droit de lui faire ça. Lui aussi peut rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de mieux que moi, même. Il le mérite, Maurice. Ah, ouais, c'est vrai, il est bien méritant, Maurice. Et au fait, tu lui as parlé de moi? Non, il a pas voulu savoir de qui il s'agissait. Oh. C'est bien, hein? Ah, bon, je pense bien que c'est bien. Oui. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il est bien, Maurice. Oh, enfin une bonne nouvelle. Ah, j'ai bien essayé. Et voilà, mais toi, il fallait pas. Toi et ta manie de bavarder. Et tu lui as raconté tout ça quand? Ben, hier soir, après t'avoir quitté, tu comprends, j'en pouvais plus. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je sais pas. Yeah, ben, t'as l'air malin, tiens. Ben, il est heureux comme ça, ton mari, tant qu'il savait rien. Tu as tout lui raconté, maintenant il va souffrir. Cet homme-là, il souffre en ce moment. Il souffre même beaucoup. Non, non, ça va, ça va. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Je vous ai dit que j'allais mieux. Oui, mais c'est pas de vous que je parlais, là. Ben, excusez-moi, j'avais cru. Ben, vous avez mal cru. C'est fini, les fleurs? Presque, j'ai fait trois bouquets. On va essayer d'en faire un quatrième, hein, parce que moi, j'ai pas fini. Très bien, si vous voulez, après, je peux aller les vendre au Père Lachaise. Je n'osais pas vous le demander, mon cher Paul. Puisque vous le proposez, de quoi on parlait? On parlait de Maurice. Ah. Tu comprends, j'en pouvais plus. Et puis, j'avais peur que ce soit toi qui parles le premier. Là, t'avais pas besoin d'avoir peur, parce que c'est sûrement pas moi qui en aurais parlé le premier. Hein. Alors, c'était pas vrai, tout ce que tu m'as dit. Ah, mec, est-ce que je t'ai encore dit, mon Dieu? Mais un jour, il a fallu que je t'occupe plus tôt que d'habitude parce qu'il était malade, Maurice. Et ce jour-là, tu m'as dit que tu commences à en avoir marre de cette situation. Et que si ça continuait comme ça, ce serait toi qui irais tout lui raconter. Tu te souviens pas? Ah non, ça non, hein. Puis c'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein. Mais quand est-ce que j'ai bien pu te dire ça, moi? Bah, c'est au début, tout au début où je t'ai connu. Oh, bah alors là, c'est possible. Oh, bah, si c'était au début, c'est possible que je t'ai dit ça. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu sais bien ce que c'est au début. Oh, je sais. Non, c'est après. Non, non, là, c'est normal. J'ai dit, comme ça fait un bout de temps, c'est normal que je ne m'en souvienne plus. Voilà ce que je veux dire. Bon, je croyais que tu voulais dire... Mais d'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je sais pas. Mais je vais te le dire, il va réfléchir, il va peut-être faire une grosse bêtise. Tu crois? Mais c'est même sûr, il est capable de demander le divorce. Oui. Ah bah Nicole, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a appris que je la trompais, elle a demandé le divorce. Alors, oh là, ce serait la catastrophe. Mais non,
monsieur, je serai libre. Justement. Quoi? Rien, je pensais à Sophie. Mais qu'est-ce que ça va faire là-dedans, Sophie? Eh ben, quand on a divorcé pour Sophie, ça a été une véritable catastrophe, tu comprends? Mais là, c'est pas toi qui divorces. Ah non, effectivement. Oui, non, c'est pas... Non, c'est pas moi. Bah, c'est pour ça que je vois pas le rapport avec Sophie. Tu vois pas le rapport? Mais non. N'importe qui le verrait, n'importe qui. Ah, je crois pas. Bah, renseigne-toi, je te dis, n'importe qui le verrait, le rapport. J'ai fini, j'ai fini. Oui, moi aussi. Allez, au revoir, ma puce. On parlera de tout ça une autre fois. Tu permets, tu dis que n'importe qui comprendrait? Oui, et alors? Pourquoi pas lui? Ah, c'est moi n'importe qui. Non, sujet-là, Paul. C'est pas n'importe qui, c'est Paul, c'est le cousin de Nicole. Puis ça le regarde pas. Dites-lui, Paul, que ça vous regarde pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu vois, il sait même pas de quoi on parle. Comment qu'il s'agit pas de Nicole? Tu vois, il s'en fout, il y a que Nicole qui l'intéresse. Et je trouve ça très bien. Merci, mon petit Paul. Allez, au revoir, ma puce. Attends, j'explique. Michel me dit que lorsqu'il a divorcé d'avec Nicole, c'était une véritable catastrophe. Pour Nicole? Non, pour Sophie. Ah bon? Et il me dit que si mon mari accepte de divorcer, ce sera aussi la catastrophe. Pour Nicole? Non. Mais non. Pour Sophie, alors? Mais non. Oh, mais si, tu me l'as dit. Oh là là. Et comme moi, je vois pas le rapport entre Sophie et mon mari, j'aimerais bien savoir si vous vous envoyez un rapport. Vous comprenez? Et je comprends rien du tout. Mais je trouve ça très bien, moi. Qu'est-ce que vous trouvez très bien? Que son mari accepte de divorcer, comme ça elle sera libre. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Comme ça, vous pourrez l'épouser. Et ça sera bien pour elle, hein? Oh, oui. Et un vrai bonheur pour vous. Oui, oui. Et pour moi aussi. Pour vous? Ah oui, parce que ce soir, je ne sais pas à quelle heure je vais voir Oedipe. Alors, si vous pouviez vous marier tout de suite et embarquer Dory en garçon d'honneur, ça m'arrangerait. Tiens, en attendant, comme il est trop tard pour publier les bandes, dites à Gérard qui peut revenir. Et ça sera tout? Ben, je l'espère. Ah bon, parce que ça commence à faire beaucoup. Je m'excuse, mon petit Paul. Au revoir, ma puce. Oh, je serais bien resté encore un petit peu avec toi. Mais moi aussi, mon chéri, mais où veux-tu? C'est plein partout. On va pas descendre à la cave, quand même. Alors? Ça va, il s'accroche. Parfait, s'il s'accroche, c'est bon signe. Il s'accroche à quoi? Au balcon, il a replongé, ce couillon-là. Oh, le con! Oh, le con! André! Qu'est-ce qui se passe encore? Il a replongé, vite! Oh le con! Oh le con! C'est Gérard! Oh le con, il a replongé, va chercher ta pharmacie! Oh le con! Oh le con! Oh le con, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai ce qui m'arrive aujourd'hui! Vous savez ce qui me ferait du bien là tout de suite? Que je reste un peu avec toi! Oh! Qu'on me foute la paix un petit quart d'heure! C'est pas vous demander quand même! Y'en a marre! Et moi, vous croyez que j'en ai pas marre? Je joue au théâtre ce soir, si vous ne le saviez pas. Et le type ne m'attendra pas. Mais forcément, il est mort. Oui, c'est sa cervelle qui est morte. C'est fini, je ne ferai plus parole d'honneur. Bah, vous pouvez la garder, votre parole d'honneur. Qu'est-ce que vous m'aviez juré tout à l'heure? Je suis désolé. C'est bête parce que j'ai failli réussir. Oh, je vais m'occuper de vous, Gérard. Non, ça va, si c'est rien du tout. Oh, vous êtes sûr? Oui, je vous assure, ça passe. Ah non, toi, c'est vraiment pas le moment, hein? Oh! Silence, Godzilla! On a encore un blessé ici. C'est vrai, j'ai failli réussir. Ah, et qu'est-ce qui vous a fait échouer? J'étais presque de l'autre côté. Sophie me tournait le dos, mais tout à coup, elle s'est retournée brusquement, comme si elle se doutait quelque chose. Alors, pour ne pas qu'elle me voie, j'ai reculé et je me suis retombé. En tout cas, à partir de maintenant, je vous interdis formellement de vous approcher de cette terrasse. Si vous voulez nous quitter, c'est par là. Et pour vous aussi, c'est par là. Qui ça, moi? Ben quoi, vous devez être content, vous l'avez eu, votre petit entretien avec Nicole. Alors, faudrait peut-être songer à nous quitter, maintenant. Je n'ai pas fini. Ben, pourquoi vous êtes sorti? Non, mais ça va pas la tête, vous. C'est vous qui m'avez rappelé pour sauver l'acrobate. Bon, ben, retournez-y, et puis qu'on en finisse. J'ai soif! Faites le service, je prends les commandes. Whisky, coca, champagne, alcool à 90, Prozac, Bonvelpo, tiens, pour monsieur. Donc, quoi? Vous arrêtez quand de faire le clown? Ah, vous préféreriez que je m'effondre en larmes? Eh bien, non, monsieur, je suis comme Figaro, moi. Je me dépêche d'en rire de peur d'avoir à en pleurer. Ah. Vous savez qui a écrit ça? Beaumarchais dans Le Barbier de Séville, acte 1, scène 2. Oh, bravo, alors ça me fait plaisir. Dites donc, elle fréquente pas n'importe qui, ma fille. C'est pas comme sa mère. Pardon! Non, je voulais dire, ça fait plaisir de rencontrer un jeune garçon un peu cultivé. Vous ne pouvez pas, hein? Mais forcément, ils ont le temps de bouquiner, ils sont tous au chômage.
Vous, par contre, vous avez dû bosser très jeune. Non, mais retournez au confessionnal. Michel, il faut que je te parle. Encore? Mais on s'est tout dit. Non, il y a autre chose. Oh, toi aussi. Bon, ben, dépêche-toi. J'ai rien à cacher, moi, on t'écoute. Mais moi, ça m'intéresse pas, mon histoire. C'est à Nicole que je veux parler. Mais personne vous retient, mon vieux. Vous connaissez le chemin. Bon, alors, Nicole, viens. Mais je t'ai tout dit, André. Non, et tu le sais très bien. Mais qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ça ne les regarde pas, alors suis-moi. Ah, non, mais je te préviens, c'est la dernière fois. Oh. Mais c'est qu'elle file comme un vrai petit auto, Nicole. Bon, allez, à nous deux. Michel, il va pas encore rester là. Gérard, où est parti? Ah non! Tant que je ne saurai pas pourquoi... Sophie ne veut plus vous voir, je sais. Paul! Oui? Oh, il vaut l'extrême obligeance de surveiller ce jeune garçon, sans quitter d'œil une seconde. Mais bien sûr, allez, venez. Ben, vous devez être content, vous qui aimez rendre service. Cousin, fleuriste, maintenant gardien. Si ça continue, va falloir que je trouve autre chose. Mais ne cherchez pas, je suis servi. Ah. Il les en prie. Alors, à nous deux. Michel, je t'ai pas tout dit. Bon, vas-y, dépêche-toi. Ça va peut-être pas te faire plaisir. Mais comment veux-tu que je le sache, hein? Je t'écoute. J'ai rendez-vous avec Maurice. Oui, bah ça, déjà, tu vois, c'est... Enfin, non, je dis, c'est très bien. Et c'est juste pour me dire ça que t'es resté ici? Oui, parce que c'est ici. Ici que quoi? Que j'ai rendez-vous. Ici, mais tu es malade ou quoi? Mais pourquoi ici? Il veut te voir. Peut-être qu'elle lui montrait ma photo, on aurait gagné du temps. Non, il veut te parler. Mais j'ai rien à lui dire, moi je le connais même pas. Elle non plus. Bah alors? Il veut te connaître. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il voulait même pas savoir qui j'étais. Mais ça, c'était hier soir. Mais depuis, il a réfléchi. Et il veut vérifier si tu tiens vraiment à moi. Mais ça, je suis pas inquiète. Ah, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir vérifier? Tu me l'as dit, qu'est-ce qu'il vérifie? Mais je sais pas. Il ne veut même pas. Oh, que tu seras bien nourri. Bon, bah, je vais te faire des pâtes, alors. C'est au point où nous en sommes, hein. Paul? Oui, quoi encore? Vous pourriez faire cuire des pâtes. Tout de suite? Non, ah, bah non, quand il arrivera. C'est ça? Maurice, quand il arrivera, il faudra faire cuire des pâtes. Très bien, je m'en occuperai. Ah, bah, cuisinier. Voilà le nouveau métier, tiens. Oui, je sens qu'on va se mettre en ménage, tous les deux. Ça, c'est pas ma priorité. C'est vrai, tu vas en faire des pâtes? Je dis n'importe quoi tellement je suis énervé. Oh, c'est dommage. Tu me vois pas en train de manger des nouilles à cette heure-ci avec ton mari. Enfin, non, tu descends, tu l'attends en bas, dès qu'il arrive, tu lui dis qu'on prendra le thé, tous les trois, mais un autre jour. Quand? Quand tu voudras, quand il voudra, quand il pourra. Voilà, j'y vais. Mais dépêche-toi, tu devrais déjà y être. Ah, je savais bien que tu serais pas content. Non, ma fille! Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, maintenant j'en ai marre! Marre! Tu me crois ou tu me crois pas, mais c'est la vérité, alors tu me laisses tranquille. C'est ça, tu dois te croire. Tu mens, Nicole. Nicole, je suis sûr que tu mens. Bon, d'accord, je mens. T'es content et ça change quoi, hein? Ça change quoi? Ça change que je vais lui casser la tête. Mmh. Qui c'est? C'est le pape, là. Tiens, t'es content ou c'est le pape? Mais c'est ça, fous-toi de moi, mais je vais le trouver, tu vas voir. Je vais le trouver. Vous savez qui c'est, vous? Oh. Je suis sûr que vous savez qui c'est! Voilà, mais du calme, je sais même pas de quoi vous parlez, là. Il y avait du type qu'elle a rencontré, et à cause duquel elle ne veut plus me voir. Vous êtes tout le temps fourré ici, donc vous le connaissez. Alors qui c'est? Mais je n'en sais rien, c'est devenu un asile de fous ici depuis qu'on a divorcé. T'avais du beau travail, toi? Moi? En fait, on ne divorce pas quand on a un enfant aussi fragile que Sophie a élevé. Non, mais dis-donc, vous n'avez pas recommencé? Quoi? Le couple sur votre fille, vous l'avez chanté il y a 10 minutes, alors maintenant ça suffit. Mais j'avais oublié, ça peut arriver. Attends, sauve-toi. Pardon? Mais oh, vous. D'abord, je ne tutoie pas n'importe qui, monsieur. C'est à madame que je parle. Elle a un rendez-vous important et il ne faut pas qu'elle le rate. Eh bien, qu'elle se tire, ça ferait déjà une en moins. Oh, la classe. Excuse-le. Allez, sauve-toi, hein. C'est pas là-bas, c'est... Et vous, vous tirez pas. Oh, viens, Michel, il me fait peur. Descends-toi, je te rejoins. C'est vrai? J'arrive tout de suite, mais je ne peux pas laisser Nicole toute seule en ce moment. Mais pourquoi? Oh, mais vous avez vu dans quel état vous êtes, vous? Enfin, même Stallone ferait pas ça. Schwarzenegger peut-être, mais pas Stallone. Stallone, il ferait... Nicole, faire... Voilà. Stallone, classe, mais pas... Oh là là, incurable, hein. Nicole, où va celui-là? Je vais faire choper de l'eau. Mais pourquoi faire? Des nouilles! Je vais faire cuire des nouilles! Oh non, mais je suis vraiment désolée, Paul, excusez-le, Paul! Dites-le, il va pas bien, lui, pourquoi il hurle tout le temps comme ça? Mais toujours quand il fait des nouilles, c'est sexuel. Ah bon? Bah oui. Et vous allez vous tirer quand, vous? Ah non, moi je vous préviens! Tant que je ne saurai pas pourquoi Sophie ne va plus me voir, je ne partirai pas d'ici! Ah, c'est comme ça, alors votre Sophie, je vais vous la ramener par la peau des fesses. Et vous irez vous expliquer là-haut, ça vous va comme ça? Ah, mais moi, c'est tout ce que je demande! Alors ne bougez pas d'ici! Je les pousse devant moi! Petit Jésus, je vous ai jamais rien demandé, mais...
Mais si vous pouviez faire en sorte qu'il se casse la gueule. Juste une fois. Merci, petit Jésus. Il est passé. Ah, bah tant mieux. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, Michel, t'es pas m'accompagner? Je peux pas descendre, j'attends que Sophie sorte. Si ça se passe bien, j'arrive tout de suite, mais j'attends de savoir comment ça se passe. Eh ben, ça se passe pas bien. Oh, non. Ah. Mais il est complètement fermé, ce type. Maman, papa. Ça a pas été long, hein. Une minute, mon drame. Papa, fais quelque chose. Dis donc, c'est ta faute, t'as qu'à sortir quand on te l'a demandé. Alors maintenant, tu vas t'expliquer, toi. Qu'est-ce que c'est, ce vieux de 50 ans, hein? Nom, prénom, qualité, défaut. Je vais lui faire passer l'envie de s'attaquer à des gamines. Et d'abord, où l'as-tu rencontré? Hein? Où? Michel, c'est pas le moment. Avec toi, c'est jamais le moment. Moi, je dis que si. Hein, André? Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est pas l'endroit, rentrez chez vous. Allez, Sophie, par ici. Si tu me touches, je hurle. Je te préviens, je hurle. Elle veut pas sortir. Maintenant, elle veut pas rentrer. Ça va pas être facile, hein? Oh, mais je vous la ramène, moi. Oula. Alors toi, Nicole. Mais arrêtez un peu de beugler, comme ça. Vous allez ameuter tout l'immeuble. André, André, je te préviens, si tu la touches, tu ne m'en vois plus, plus jamais. Et moi non plus. Non, moi non, moi c'est le contraire. Si vous la touchez pas, voilà. Si vous la touchez pas, moi vous m'envoyez quand vous. Non, enfin, Vous arrêtez quand de faire le con? Oh, écoutez, j'ai des excuses, après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai vieilli de 100 ans en 2 heures, monsieur. Et celui-là qui bouge pas, pourquoi vous bougez pas, vous? Ça vous concerne, ça? C'est vous qui devriez la faire sortir d'ici. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ça va pas être long. Si tu me touches, tu me revois plus jamais. Ah bon? Ah ben elle aussi, hein. Alors monte dans ta chambre, on va s'expliquer là-haut. Non, j'ai rien à te dire. Ah, tu trouves? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux plus me voir? Mais réponds! Non, pas maintenant. Qui c'est ce type? Mais quel type? Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Ton père. Pourquoi tu lui as raconté ça? Parce que ta mère me l'a raconté. Mais pourquoi tu lui as dit? Mais parce que tu me l'avais dit. Mais pourquoi tu lui as répété? Je voulais pas que Gérard le sache, tu le savais ça. Mais c'est pas Gérard que j'ai dit, c'est à ton père. Mais pourquoi t'as répété ça à Gérard, hein? Pourquoi? Parce que ta mère m'avait pas dit qu'il fallait pas le répéter. Mais pourquoi tu lui as pas dit qu'il fallait pas le répéter? Oh, vous avez pas le droit, vous avez tiré ça au cas de Y en a marre. Ah oui, ça y en a marre. Mais qui c'est ce type? C'est le peuple, là, t'es content? Encore? Ben il est gâté, le peuple. Tu te fous de moi? Non! Je me fous pas de toi, y'a personne! Tu me crois pas, je m'en fiche! J'ai inventé ça pour que tu me fiches la paix! Toi et les autres! J'en ai marre de tout le monde en ce moment! J'ai besoin de réfléchir, de faire le point, c'est tout! J'ai envie d'être un peu seule! C'est si difficile à comprendre, ça, toute seule! Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour remonter dans votre chambre? Si vous voulez que j'y aille, empêchez-le de me suivre! Oh, c'est ce qu'on va voir! Allez-y! Non, lâchez-le d'abord! C'est pas le tuer, votre vieille, grouillez-vous, allez-y! Lâchez-le d'abord! Oh là, 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 là! Vous! Fini, interminable. Fini. Mais ah, ben, je sais bien, c'est pas facile. Vous savez ce qu'il nous faudrait? De la crème fraîche. Qu'est-ce que vous nous racontez, vous? Je vous demande si vous avez de la crème fraîche. C'est pour les nouilles. On met toujours un peu dans les nouilles, ça donne un peu de... Ah, c'est meilleur avec de la crème fraîche. Bon, ben, allez voir chez moi dans mon frigo, il doit peut-être m'en rester. Merci, c'est vrai, c'est meilleur avec de la... Mmh, fraîche. Oh, j'en peux plus. Ah, attendez. Mais quoi encore? J'ai une idée. Laquelle? Pourquoi n'iriez-vous pas chez moi? Quoi? Ben oui, puisque vous voulez rester seul avec Nicole. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, que ce soit ici ou en face? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, vous avez raison, ça va sûrement plus vite. Bon alors, Nicole, tu viens? Non, vas-y tout seul. Bon. Tu vas pas tout compliquer, il veut juste parler. Mais j'ai plus rien à lui dire, plus rien, tu m'entends? Plus rien. Alors que ce soit ici ou là-bas, ça ne changera rien. Je reste ici, je suis chez moi ici, et je n'en bougerai plus, compris? Moi non plus, tant que tu me diras pas. Mais combien de fois faudra-t-il que je te répète qu'il n'y a personne, personne? J'ai simplement besoin d'être un petit peu seule, de respirer comme Sophie. Moi aussi, j'ai besoin de faire le point. Alors, fous-moi la paix et retourne chez toi. Puis vous aussi, foutez la paix à ma fille. Allez, Sophie, allez, file. Tant que vous serez là, nous, on restera là, compris? Et puis c'est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est chez moi, ici. Ben, j'attends Michel. Oh, ça fait 2 heures que je lui dis que je peux pas descendre. Mais quand est-ce qu'elle va le comprendre, celle-là? Ah non, s'il te plaît, tu lui parles pas sur ce ton. Oh. Merci, madame. Bon, alors venez avec nous. Ah. Vous serez mieux avec moi qu'avec ces 3 cinglés. Et toi, je te préviens, n'essaie pas de défoncer la porte parce que j'ai un pistolet à grenaille. Et si tu l'ouvres, je te fais sauter la cervelle, compris? Ben, Nicole... Nicole, je t'en prie, écoute-moi. Nicole, je te le promets, je t'embêterai plus avec ça, je te crois.
Nicole. Nicole. Ben, dites quelque chose, vous. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous en foutez de ce qui m'arrive, c'est ça, hein? Non, si, vous vous en foutez. Vous en foutez. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Puis, chacun ses problèmes, hein. Mais moi, j'ai tout quitté pour Nicole, vous m'entendez? J'ai tout quitté pour elle, vous en foutez de ça? Je vous comprends très bien, André. Mais non, vous pouvez pas comprendre. Oh, dites donc, je vous rappelle qu'elle a été ma femme, Nicole. Et moi aussi, j'ai souffert quand elle m'a quitté. Non, attendez, vous l'aviez trompée. Oh, si peu. Comment ça, si peu? Une fois. Non, vous l'aviez trompée, Mais moi, qu'est-ce que je lui ai fait, hein? Mais dites-le moi, mon Dieu, que je comprenne. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Oh, mais dites-le moi, mon Dieu, Nicole. Mais arrêtez-vous, André. Ah, avec vous, il n'y a pas de milieu, hein? Ou c'est King Kong ou c'est Cosette. Enfin, reprenez-vous. Un grand jeune homme comme vous, c'est pas sérieux. Non, laissez-moi, j'en peux plus. D'abord, je ne vais pas vous laisser dans cet état-là. Vous allez boire quelque chose, ça va vous remonter. Non. Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Excusez-moi, je peux pas voir quelqu'un pleurer, je n'ai jamais vu. Ça doit être nerveux. Mais pourquoi? Oh, mais arrêtez, vous faites pleurer le petit. Oh non, pas vous, vous n'allez pas me mettre à chialer, vous aussi. C'est les oignons. Les oignons? Ah oui, c'est plein d'oignons coupés en tranches dans votre frigo, je suis allergique à un point, vous n'imaginez pas. Remarquez, j'aime mieux ça, hein. Ah, pas moi, parce que ça pique et j'y vois plus rien. Il y a des Kleenex par là. Oui, dans la cuisine. Non, pas par là, c'est la terrasse. La cuisine, c'est par là. Non, vous pouvez pas vous tromper, c'est tout. En train de les manger, ces nouilles. Mais pourquoi le plus moi aussi, Gérard. Parce que je vais vous quitter maintenant. Ma porte est ouverte. Je vais pouvoir récupérer mes affaires. Alors, un peu de tenue. Si quelqu'un entrait, de quoi auriez-vous l'air? Excusez-moi, monsieur. Dites donc, c'est pas un rôle de garde ici, hein? Non, mais la porte était ouverte, alors. Mais c'est bien, ça fait 2 heures qu'elle est ouverte. Ben, maintenant, elle est fermée. Alors, si vous avez une commission à faire à Nicole, vous me la faites à moi et je la transmettrai. Non, je n'ai aucune commission à lui faire. C'est avec vous que je désire avoir un petit entretien. Avec moi? Oui. Ah, je vois. Vous êtes... Oui. Oh là... Vous, je vous attendais... Oui, je sais. Elle n'est pas là? Si, je vais la prévenir. Très bien, attendez une seconde, ça m'arrange. Ça m'arrange que nous puissions bavarder un petit peu avant, vous voyez? Oui, je vois très bien, malheureusement, vous tombez mal. Oui, j'ai vu. Vous avez un deuil. C'était qu'un deuil, ce serait moins grave. Non, là, c'est les oignons. Les oignons. Non, pas lui, Paul. Lui, c'est l'amant de ma femme. L'amant de ma femme, eh bien compris. Elle veut plus le voir. Mais pourquoi elle veut plus le voir? Vous pouvez me dire pourquoi? Mais comment voulez-vous qu'il vous réponde? Il la connaît même pas, Nicole. N'est-ce pas? Ah non. Alors, voyez bien. Mais c'est pas à lui que je parle, c'est à vous. Vous l'avez déjà demandé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, moi? Quand elles veulent plus, elles veulent plus. Hein? Ou pas plus. Se mettre à renifler en plus, hein? Allez vous sécher dans la salle de bain. Oh, j'ai un mal à le tenir propre. Lui, c'est l'amant de ma fille. L'amant de ma fille, j'ai bien compris. Elle veut le voir non plus, alors c'est pas facile. Non. Il faut pas que je le quitte de l'œil, ça fait 2 fois qu'il passe par la fenêtre, celui-là. Par la fenêtre? Alors jamais 203. Je reste là, j'observe, parce qu'on sait jamais, hein. Alors dites, si on pouvait remettre notre petit entretien à plus tard, franchement, ça m'arrangerait. Ah oui, alors là, je comprends très bien. Oh, que ça me fait plaisir de rencontrer enfin quelqu'un de compréhensif aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. Je vous raconte. Oui, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais il faudra quand même pas trop traîner. Non, mais vous en faites pas. Dès demain, si vous voulez. Oui, je veux bien. Plus vite ce sera fait. Plus vite ce sera terminé. C'est ce que je dis toujours. C'est qu'il y va de son avenir. Mais bien sûr. Mais attendez une seconde, monsieur, s'il vous plaît. Vous prenez les choses un peu à la légère, là. Bah, pas du tout. Mais si. Pourquoi? Ben, c'est que ces études en souffrent. C'est le vieux. Ah,
Attendez, j'ai pas tout suivi, là. Vous avez bien dit ses études. Oui, au lycée, elle ne fait plus rien. Elle me l'a dit, plus rien. Mais de qui il parle, là? Mais de Sophie, voyons. C'est pour ça qu'elle ne veut plus vous voir. C'est à cause de moi. Mais je vais le tuer, salaud, je vais le tuer! Ah, du calme, hein. Sinon, c'est pas André qui s'occupera de vous, c'est moi, compris? Mais vous l'avez entendu! Il couche avec Sophie, salaud, il vient de le dire, il couche avec! Non! Je ne couche pas avec elle, jeune homme! Et c'est la raison pour laquelle je suis là, figurez-vous! Pour que son père s'en occupe un peu! Vous m'entendez, monsieur? Impeccable. Bon. Alors, il faut vous occuper de Sophie. Mais où l'avez-vous connue, Sophie? À la brasserie, en face de chez vous. Ah bon, elle vous a aperçu juste une fois, enfin, que ça lui a suffi. Mais qui voulez-vous faire croire ça? Mais pas une fois, plusieurs fois, chaque fois que... Chaque fois que quoi? Mais chaque fois que je surveillais Annie. Annie? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, Annie? Comment qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mon petit don, c'est ma femme. Vous êtes le mari d'Annie, vous êtes Maurice. Mais oui, vous ne le saviez pas. Ah ben non. Ah ben si, au début. Au début, j'ai pensé que vous étiez Maurice, tout de suite après, vous avez parlé de Sophie. Alors j'ai cru que vous étiez le vieux. Oui, vous pouvez pas être les deux quand même. Si. Vous êtes les deux vieux voix. Oui, Paul. Oui. Whisky, je peux plus bouger là. Non, pour moi, uniquement pour moi. Mais, petite question, quand même, pourquoi surveillez-vous Annie? Comment, pourquoi? Vous n'êtes pas son amant? Bah, ça vous regarde. Pardon? Ah oui, pardon, oui. Maintenant, ça vous regarde, vous. Ah oui, je crois, oui. Non, mais moi, j'en suis sûr, mais ça vous regarde. Merci. Mais, il n'y a pas de quoi. Quand je me suis aperçu qu'elle me trompait, j'ai voulu savoir avec qui, alors je l'ai suivi discrètement. Plusieurs fois, je vous ai guetté tous les deux à la brasserie, en face. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Sophie. Alors c'est très clair. Si Annie et vous, c'est sérieux, je ne m'opposerai pas parce que je veux qu'elle soit heureuse. Annie, si c'est pas avec moi, tant pis. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous connaître. Alors, attendez. Si j'ai bien compris, vous prenez Sophie et en échange, vous m'enfilez Annie, hein, c'est bien ça. Non! Qu'est-ce que vous venez dire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'avais pas demandé un whisky. Eh ben, donnez-le, puis tirez-vous, merde! Ah non, il faut pas me parler sur ce ton-là. Quoi? Là, il faut vous excuser. Qui, moi? Oui, vous! J'ai fait preuve jusqu'à présent d'une grande patience. Mais trop, c'est trop. Il faut vous excuser. Vous, le cousin, ça suffit. Vous retournez à vos pas. Je ne suis pas son cousin, ni votre larbin. Je veux des excuses. Madame... Ah, vous n'êtes pas son cousin, voilà. Ça vous va comme ça? Excusez-moi. Oh, on l'avait fait passer pour le cousin de Nicole, celui-là. À cause de... Cro-Magnon, là. C'est pas son cousin. Eh, merde. C'est pas son cousin. Non, je ne suis pas son cousin. Je l'aime, j'aime Nicole. Et l'homme que vous cherchez, c'est moi, voilà. Ça fait 2 ans que j'aime Nicole, 2 ans. Depuis qu'elle est entrée dans mon bureau. Je suis son patron, Nicole. Vous ne le saviez pas? Vous savez, moi, je suis rarement là. Il faut vraiment des circonstances exceptionnelles comme aujourd'hui. Eh bien, maintenant, vous le savez, alors foutez-moi la paix. J'avais besoin d'une intérimaire pour une semaine, juste pour une semaine. Et depuis 2 ans, je l'empêche de partir. Depuis 2 ans, je l'augmente de 1 000 francs tous les mois pour ne pas qu'elle s'en aille. 1 000 balles? Tous les mois, 1 000 balles de plus, rien que pour la garder. J'ai mis 2 ans avant d'oser lui offrir un café pour être une fois seulement, une fois un peu seul avec elle. Et elle a accepté, alors je l'ai invitée à venir au théâtre. Je ne sais pas comment j'ai osé faire ça, mais je l'ai fait. Et elle a accepté. Je n'en revenais pas, et depuis 8 jours, je n'endors plus. J'en rêvais de cette soirée que j'allais passer avec elle. Et je m'étais juré que ce soir, je lui parlerais, que je lui dirais tout, que je ne peux plus me passer d'elle, que je ne pense qu'à elle jour et nuit depuis 2 ans. C'est seulement, vous saviez ce que ça représente pour moi, depuis 2 ans. Ben oui, 1 000 balles par mois. La perle. Je veux l'épouser, voilà, lui demander d'être ma femme. Je voulais lui dire tout ça ce soir, et vous m'avez foutu ma soirée en l'air. Vous m'avez tout gâché. Alors maintenant, je vous dis merde. Et moi non plus, les baudruches qui font de la gonflette, ça ne m'impressionne pas. Aérobic, aérobic de mes pêches, ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que tu dis donc, c'est pas mal.
Mais Paul, il a été lui raconter qu'il n'était pas ton cousin. Mais faut les séparer. Ben faudrait, oui. Mais qu'est-ce que t'attends, vas-y. Ben j'y vais. Non mais où est-ce que tu vas? C'est par là. Ah oui, c'est vrai, bah ben, tu sais, moi. Oh, je... oh là. Oh le carnage. Ben dis donc, il l'a mis dans un drôle d'état, hein. Vous pouvez passer à table. Les nouilles sont cuites. Bah, les nouilles, je sais pas, mais lui, il est cuit, hein. Qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est du karaté? Non, c'est du vieil vaudao. Oh, bah, c'est bien aussi, hein. Quelle différence? C'est beaucoup plus mental. Ça fait appel à l'intellect. Alors là, évidemment, André n'avait aucune chance. Permettez, ça donne soif. Mais je vous en prie. Vous voulez peut-être faire un peu de toilette avant de... Avant de quoi? D'aller voir Édipe. Je me fous d'Édipe. Ah bon? Absolument. Ce crétin qui se crève les yeux quand il apprend qu'il a couché avec sa mère, ça m'emmerde si vous voulez tout savoir. Tiens. Absolument. Il n'avait qu'à se renseigner avant. Là, il a raison, moi, c'est ce que je dis toujours, on se renseigne avant. Non, Philippe, même en partant tout de suite, vous risquez d'arriver juste pour la fin, alors... Absolument, j'annule. Voilà. Vous êtes d'accord, Nicole? Oh, oui, bien sûr, Paul, il vaut mieux annuler. Ben, c'est parfait, tout ça. Ben, il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir gentiment. Alors? Ben, oui, puisque vous êtes d'accord, tous les deux, pour annuler. C'est peut-être plus la peine de traîner, là. Et mon dîner? Quel dîner? Avec Nicole. Je l'ai invité à dîner, Nicole. Ah bon? Ah, ben, je ne savais pas, ça, moi. Eh bien, maintenant, vous le savez, ce dîner, il n'est pas question que je l'annule. À moins que Nicole n'en ait plus envie, bien sûr, Nicole. Oui, Paul? Vous voulez toujours dîner avec moi? Mais bien sûr! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez-moi un taxi. Mais tout de suite, mon petit Paul, tout de suite. Annick. Oui. On ne peut pas rester là. Non, on ne peut pas, non. Tu pourras l'appeler. Pourquoi faire? Je ne sais pas, pour lui dire... Mais il n'a plus rien à me dire depuis longtemps. Depuis longtemps, je sais qu'il n'a plus rien à me dire, alors ça servira à quoi? Tu feras comme tu voudras. Tu es sûr de pouvoir me supporter après tout ça? C'est l'idée de vivre sans toi que je ne supporte pas. Mmh. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Bonne chance, Michel. Sophie, je suis désolé. Mais non, ne le soyez pas. Tout est ma faute. Je sais très bien que vous ne m'aimerez jamais, vous ne me parliez que d'Annie. Toujours Annie. Allez, rattrapez-la vite. Moi, je vais essayer de vous oublier. Gérard va m'aider. Tu veux bien, Gérard? Mais oui. Alors, viens vite. Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve? Allô? Ah, tout de même. Oui, je prends un taxi pour le 12 rue de la Victoire. C'est pas vrai. Il sera là dans 5 minutes, dites-nous. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Oui, parce que je crois qu'on n'a vraiment plus rien à se dire. Non, je ne crois pas. Non. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas passer 2 heures à vous dire que vous n'avez plus rien à vous dire? Ben si, puisqu'il ne veut pas partir. Mais quoi? Vous avez une petite bonne femme formidable, mon vieux. Si vous la laissez traîner comme ça en larmes dans la rue, vous allez encore vous la faire piquer par un pingouin du genre de celui-là. Rattrapez-la. Elle n'attend que ça, au lieu de traîner dans les bars à la surveiller. Ça vous évitera de finir alcoolique. Réveillez-vous, mon vieux. Et vous avez raison. Messieurs, madame. Monsieur. Allez. Ben dites-le, ça dégage bien avec vous. J'aurais tout fait ce soir. Ben oui, videur, tiens, cherche. Trêve de plaisanterie. Maintenant qu'on est un peu tranquille tous les trois. Nicole. Ah, je l'avais oublié, celui-là. Bon, Nicole. Mais qu'est-ce que vous lui voulez encore à Nicole? Alors, vous la ferme. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Paul. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il vous a dit de la fermer. Dit comme ça, je préfère. Bon, Nicole, qu'est-ce que je dis à Fanny? Mais on s'en fout. Écoutez, moi, qui c'est, Fanny? Fanny, c'est ma femme. Et marié aussi, celui-là? Mais tu le savais, toi? Bah oui, je le savais. Oh, c'est pas bien, ça, Nicole. Hein, Paul, c'est pas bien, ça. Dites, vous n'allez pas commencer votre cinéma, on n'a plus le temps. Et moi, je commence à avoir faim. Et quand j'ai faim, je perds patience. Alors, Nicole, soyez gentille, dites-lui ce qu'il doit dire à Fanny et qu'on en finisse. Oh, écoute, André, essaie de comprendre. Oh, bah, s'il faut qu'il comprenne, vous n'êtes pas de dîner. La ferme! Qu'est-ce qu'elle attend, Fanny? Et voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est ce soir que je devais dire à Fanny si... Si vous revenez ou pas. Oui, voilà. Eh ben, vous lui dites que vous revenez avec un gros bouquet de fleurs. Je vous donnerai l'adresse de ma soeur qui vous prend les prix. Et Fanny vous tombera dans les bras. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Nicole. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise, Nicole? Regardez-la, elle n'a qu'une envie. C'est que vous y soyez déjà chez Fanny. C'est vrai, Nicole? Mais oui, c'est vrai. Ça fait plus d'une heure qu'elle n'arrête pas de vous le dire. Oh, il y a plus longtemps que ça. Il y a 2 mois déjà. Quand il m'a bousillé ma télé... La ferme! Thank you.
Tu sais, Nicole, que si tu me laisses partir comme ça sans rien me dire, tu me revois jamais. Nicole, plus jamais. Mais c'est ce qu'elle demande. Alors vous, je vais vous exploser la tronche. C'est vraiment ça. Paul, vous êtes prêts? Moi, je ne me mets pas de ça. Quoi? Débrouillez-vous tout seul. Mais vous n'allez pas me laisser tomber. Ah si. Mais pourquoi? Parce que ça ferait plaisir que vous preniez une bonne raclée. Oh. Et je suis sûr que lui, ça le soulagerait, n'est-ce pas? Ah oui, beaucoup, oui. Ah, vous voyez? Mais vous êtes un vrai dégueulasse. Mais je ne vous dis pas le contraire. Oh. Alors je peux? Il est à vous. Entrez! Vous pouvez encore vous retenir une seconde, non? Une seconde. Il est gentil, il attend. Mais pourquoi vous me laissez tomber? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Vous avez fait souffrir Nicole et ça me suffit. Mais ça vous regarde pas, ça? Si, ça me regarde. Depuis 2 ans que Nicole travaille chez moi, je la vois malheureuse. Et je sais que c'est à cause de vous. Non. Et si vous ne l'aviez pas trompée, elle ne vous aurait pas quitté. Il en serait peut-être tombé amoureux quand même, mais il aurait sûrement pas risqué de foutre sa vie en l'air. Hein, la baudruche? Vous allez encore me traiter longtemps de baudruche? Tant que vous serez encore ici, mon vieux. Si vous voulez vous défouler, c'est par là. Mais ça va être brouillard. Non, non, André, André, tu ne le touches pas. Je te préviens, André, je ne t'ai jamais aimé. Mais je t'ai toujours estimé. Alors si tu veux que je garde un bon souvenir de toi, tu ne le touches pas. Vous avez de la chance, vous. Ça, on peut le dire, oui. Oui. Bon, Nicole, je vais retrouver Fanny. Perdez pas de temps, mais brossez-vous un peu avant de partir. Si vous arrivez en lambeau, elle est capable de vous renvoyer ici, alors ça, non. Hein. Je m'en fous. Ah bon? Oui, Fanny aussi, elle s'en fout, parce que ça fait 1 an qu'elle attend, Fanny. Alors je vais arriver chez elle comme ça. Et elle va me tomber dans les bras comme ça. Et elle va m'aimer comme ça. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait de savoir que quelqu'un vous attend. Même comme ça. Oui, parfaitement, même comme ça. Adieu, Nicole. Merci, Paul. Je vous remercie beaucoup. Hein. Sans Nicole, dans quel état je serais, moi, en ce moment? Oui, ça, vous n'auriez pas beau à voir. Ça me fait rire, en plus. Nicole, ne me dis pas que tu vas aller dîner avec lui. Mais si, pourquoi? Il était prêt à me laisser assassiner. Il aurait même prêté la main pour ça. Tu vois? Nicole, je te préviens, si tu sors avec lui, tu ne me revois plus jamais. Enfin, une bonne nouvelle. Tu m'entends? Plus jamais. Tu sors avec lui? Oui. Quand vous voulez, Paul. Très bien. Adieu, Nicole. Quand vous voulez, Paul. Vous le voulez vraiment? Mais pourquoi vous ne voulez plus? Si, bien sûr, mais je pense à ce que vient de dire André. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que ça faisait du bien de savoir que quelqu'un vous attend même comme ça. Et je pense que vous, Nicole, vous n'êtes pas prête, même quand je ne serai plus comme ça. Je peux vous parler franchement, Paul? J'en prends le risque. Quand je vous ai rencontré, je vous ai à peine regardé. Je pensais encore à Michel. Puis j'ai rencontré André. Et comme je pensais toujours à Michel, eh bien, je ne vous ai plus regardé du tout. Mais pourtant, je savais que vous étiez un homme gentil, soucieux du bien-être de tous ceux qui travaillaient pour vous. Je vous considérais pour ce que vous êtes, Paul. Un brave homme. Oh, bah merci, c'est sympathique. Non, un brave homme à qui je plaisais beaucoup, ça, je m'en étais quand même aperçu. Alors, je n'ai pas eu le courage de refuser votre invitation. Et depuis que j'ai accepté, j'ai vu votre visage se transformer. Mais jamais je n'aurais imaginé avoir ce pouvoir extraordinaire. Apporter un tel bonheur sur le visage d'un homme... Et le bonheur, ça rend beau, Paul. Et je vous assure que je suis prête à vous suivre, même comme ça. Écoutez, vous allez me trouver idiot. J'ai envie de sauter de joie, de hurler. Au secours, je tombe. C'est Michel. C'est Michel. 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 Vite, Paul, venez l'aider. C'est Michel, vite. Oh mon Dieu, c'est pas grave. Paul, au secours. Mais vous allez me lâcher quand? Oh, bah, sûrement pas maintenant, hein. Et vous, jurez-moi que vous n'allez pas me lâcher non plus. Mais non, allez, le pied, posez votre pied là. Le pied. Non, mais pas sur ma main, vous allez être exprès. Mais non, Paul, enfin. Ah, ça y est, vous y êtes. Ah, merci. Ah. Merci, mon petit Paul. Oh, la trouille que j'ai eue. Non, mais t'es complètement cinglé. Tu pouvais te tuer, tu te rends compte que tu pouvais te tuer. Mais alors, c'est parce que tu voulais, non? Non, mais t'es complètement fou. Mais non, je ne suis pas fou. Tu ne rêves que d'une chose, te débarrasser de moi. La preuve, tout à l'heure. Tu étais prête à me laisser massacrer par ta baudruche. Ah, bon, je l'ai pas oublié, ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est Paul qui voulait. Moi, je l'ai empêché, c'est Paul, pas moi. Bah, voyons, mets tout sur le dos de Paul, maintenant. Et une ingratitude. Merci, mon petit frère. Ça va. Qu'est-ce que vous fichiez sur le balcon? Bah, j'entendais rien derrière la porte. Je sais pas, vous parliez tellement bas, tous les deux. J'ai pensé au balcon, moi j'ai glissé. Merci, hein, Paul. Ah, bah si.
Sans vous, je me serais écrasé à 3 étages plus bas sur les rosiers de la gardienne. Et dedans, c'est votre chauffeur qu'on aurait fait une tête. Mon chauffeur? Le taxi, j'ai eu le temps de l'apercevoir. Ça fait un quart d'heure qu'il est là. Puis le compteur tourne, puis c'est de ma faute, mais je vais vous le rembourser. C'est à moi, c'est à moi de le payer. Vous n'avez rien demandé. Oui, je sais, mais j'insiste. Or, j'ai pas de monnaie. Je vous en ferai. Oui, mais c'est 500 francs, vous n'oublierez pas. Assurez-vous, je suis pas prêt que vous oubliez. Oh, c'est gentil, ça. Faudrait qu'on dîne ensemble un soir. Hein. Sûrement pas ce soir. Ah, ben non. Ce soir. Ce soir, vous dînez toujours avec Nicole. Parfaitement. Vous êtes prête, Nicole? Oh oui, bien sûr, Paul, juste un petit instant. Le temps que tu refais une petite bête. Oui, j'en ai pour une minute. Vas-y, dépêche-toi, je la presse un peu, parce que j'en ai pour une minute, ça dure des heures, puis le compteur tourne. Hein. 500 francs, hein. Vous n'oublierez pas, hein, Paul. Je peux vous les rendre tout de suite si ça vous chagrine à ce point-là. Je plaisantais. Là, dans 2 minutes, elle sera prête. Je ne crois pas, non. Vous croyez pas qu'elle sera prête? Non. Vous n'avez pas entendu le cri qu'elle a poussé tout à l'heure quand vous êtes passé par-dessus le balcon? Vous n'avez pas entendu? Ben non, moi je criais aussi, puis j'étais pendu, hein, en plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a crié? Votre nom, Michel. Elle a hurlé votre nom. Et alors? Et alors? Je ne crois pas qu'elle aurait hurlé comme ça si c'était moi qui étais passé de l'autre côté, voilà. Monsieur, oh, je la connais, Nicole. Dès qu'elle voit quelqu'un pendu à un balcon, elle ne peut pas s'empêcher de hurler. Je vous dis que non, j'en suis sûr. Mais comment vous pouvez en être sûr? Pour en être sûr, faudrait essayer. Ça vous ferait plaisir, hein? Quoi? Que je m'écrase sur les rosiers de la gardienne. Ah non, pas sur les rosiers, j'adore les roses. Sur la gardienne, je veux bien. Non, sur... Et qu'est-ce que vous faites, là? Vous n'attendez pas Nicole? Oh, si, je l'attends. Dans le taxi? Non, chez moi. Chez vous? Oui. Ce soir? Non, pas ce soir, ça serait trop beau. Un autre soir. Je suis sûr qu'il y aura un soir où elle ne pourra vraiment plus vous supporter. Peut-être que ce soir-là, elle viendra sonner à ma porte et je serai là. Je serai toujours là pour elle, vous comprenez? Mais je vous comprends très bien. Je vais même lui dire ça tout de suite. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire, je peux faire mes commissions moi-même. Je lui dirai tout ça demain au bureau. Et la seule chose que vous pouvez lui dire de ma part, c'est de lui demander d'être à l'heure. J'aimerais qu'elle perde cette fâcheuse habitude d'avoir toujours un quart d'heure de retard. Ça, vous pouvez lui dire. Pas compter sur moi. D'autant plus que c'est très gentil de votre part. C'est vrai, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous auriez très bien pu vous en séparer. Eh bien non, je la garde. Eh ben, je trouve ça très gentil. Arrêtez de répéter que c'est gentil, je ne suis pas gentil. Je la garde parce que je ne peux pas me passer d'elle. Voilà pourquoi je la garde. Je la veux. Comment? Je la veux demain matin au bureau à 9h. Et même si elle arrive en retard, ben, je m'en fous. Et puis si elle veut venir ce soir, elle me trouvera comme ça. Je l'attendrai comme ça. Et tenez, vos 500 francs, je les garde. Ça me payera le nettoyage du costume. Eh ben, on n'est pas des sauvages, lui même, non? Ah non, là, j'y suis pour rien. Non, c'est pas moi, c'est lui. Il s'est énervé tout seul. Je le comprends, que si tu avais besoin d'aller hurler mon nom. Tu sais ce qu'il croit maintenant? Eh bien, il croit que tu m'aimes encore. Voilà ce qu'il croit. Tu réponds pas? Bah, t'es chez toi quand même. Allô? Oui, c'est moi, j'ai bien demandé un taxi, oui. Oui, ça fait un quart d'heure qu'il est... Oui, je sais, madame. Non, oui, mais... Non, je l'ai vu quand j'étais pendu au balcon. Non, je ne me suicidais pas, j'ai glissé. C'est... Le compteur tourne, oui, ça aussi, je suis au courant. Mais vous en faites pas, hein, je lui ai donné 500 francs. Non, pas au chauffeur, à Paul, l'amant de ma femme. Enfin, pas encore, hein, il voudrait bien, mais... Attendez une seconde, madame. Tu sais que... C'est pas ce soir que t'attends. Pas ce soir? Eh non, il me l'a dit, il attend le grand soir. Le soir où tu ne pourras vraiment plus me supporter. C'est ce soir? Oui. Nicole. Si par hasard tu changeais d'avis, je voudrais que tu saches que... que je serai toujours là, moi, et que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour redevenir à nouveau supportable. Vas-y maintenant. Allô? Oui, je me doute que vous avez entendu, madame. Oui. Oui, c'était ma femme. Oui, elle vient de me quitter. Oh, si, je l'aime encore. Je crois bien que les... Je crois bien que je l'ai jamais autant aimé qu'aujourd'hui. Oh, parce que j'ai fait une bêtise et puis elle ne me l'a jamais pardonné. Pourquoi j'ai fait ça, mais... Parce que je suis un con, madame, voilà. Comme votre mari? Ah, lui aussi?
Oh, bah, en effet. Oh, le con. Oh, mais quel... Pardon. Le taxi vient de partir. Oui, je sais, madame, je sais. Oui, vous avez raison, on est tous pareils. Mais dites-moi, est-ce que vous lui avez pardonné à votre mari? Au bout de 2 ans. Ah, comme moi, oui, ça fait 2 ans. 2 ans que je ne l'ai pas serré dans mes bras, madame. 2 ans que je ne l'ai plus entendu rire. Et je crois bien que c'est ça le plus dur. Ne plus l'entendre rire. Oui, je sais. Je sais, vous avez raison, on est tous pareils. Dites-moi encore... une petite seconde. Comment lui avez-vous fait comprendre à votre mari? Ben, que vous lui aviez pardonné. Ah, tout simplement. La main sur son épaule pendant qu'il regardait la télé. Et il a compris tout de suite. Bah, vous voyez, il n'est pas si con que ça, alors. Que je fasse pareil, mais j'en ai plus de télé, moi, madame. L'amant de ma femme l'a foutu par la fenêtre. Non, pas Paul, un autre, André. Ah, bah, faut suivre, hein, parce que ça défile, hein, ici. En tout cas, madame, je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes une femme absolument formidable. Si, madame, vous êtes formidable parce que j'en connais pas beaucoup qui auraient réagi comme vous l'avez fait. Je crois même que vous êtes la seule. Ah non. Eh ben non, vous n'êtes plus la seule. Pourquoi? Mais parce que je viens de trouver beaucoup mieux, madame. Comment? Vous comprenez plus rien à ce que je vous raconte. Mais je m'en fous, madame. Eh, si vous faites...